Vous êtes sur mon terrain. J'ai autant de sang. Personne ne vend. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Ok. Il y a mes cacoutos là. Mais attends, mais pourquoi tu tombes pas? Attends, mais je bouge plus, il a sorti un pétard, putain. Mais toi, bouge pas, toi. Attends, le couteau. Magnifique. Il a un pétard. Bouge pas, toi. Baisse ton couteau. Vrai ou faux, l'animal national de l'Écosse est la licorne? Si c'est la blague de la pompote, on se bat. C'est la blague de la pompote. On va se battre. Et la réponse, c'est vrai, ce n'est pas une légende. J'ai pas compris. Bonjour. Les gros fils des putes comme toi. Ça va, t'appelles comment déjà le mec? C'est le mec qui répète 15 fois. T'appelles comment? Ravière. T'as volé Hermano? Oui. Je suis en train de vendre la fête foraine. Je me suis fait niquer ma race. Par qui? Par Gangdon. Ils m'ont tiré dessus. J'ai dormi à l'hôpital. Personne s'est inquiété pour moi. Si, c'était quoi cette histoire hier là? Ils se sont fait tirer dessus et tout là. Bah, en gros, je sais plus trop. En fait. Je suis tellement fatigué. Moi, je me rappelle, écoute, tu m'as appelé. Écoute, et tu m'as dit. Je te jure, c'est vrai. Déjà que de base, j'ai pas de mémoire. Là, je suis tellement fatigué en ce moment que j'ai tout le temps l'impression d'être dans un rêve. Un rêve? Oui. Ok. Hier, tu m'as appelé. Moi, je vais te rapprocher de la mémoire. Comme si c'était pas la réalité. J'ai planté un Gangton. Ils ont tiré sur Rafi et Soledad. Tu comprends? Oui, c'est vrai. Oui, parce que. T'as vu mes habits? Ouais. Je les ai volés à un mec de Gangton. Ah, et pourquoi? Parce que j'aimais bien ses habits. Et c'est tout, juste pour ça tu l'as planté. Oui. Moi j'ai une proposition. En fait, t'es vraiment un descendant de fils de pute, je crois. Mais vraiment. Il voulait pas me les donner, ses habits, Hermano. Ton père c'était un connard, tu es un connard, toute ta famille sera des connards dans toute ta descendance. Hermano, il voulait pas. Ok, c'est premièrement, c'est assez. Et deuxièmement, il voulait pas se déshabiller. Et t'as pas remarqué que jamais personne n'est malade ici? Pourquoi? Vous préférez des armes ou une voiture? Si, il y a des gens qui sont malades. Non, pourquoi? Il y a personne qui dit j'ai une grippe aujourd'hui, j'ai la gastro. Si. Non. Si, y en a tous et tout, ils ont mal à la gorge, je dis putain, j'ai vraiment mal à la gorge. Vraiment pas, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est bizarre. Oui, mais on a des maladies différentes. Nous, différentes de qui? Genre, on a des mal de tête qui nous font freeze, c'est trop bizarre. Ils ont tous juste mal à la tête, il y a juste ça. T'as vu? Et des fois, quand on se sent mal, on va faire pipi, on va faire une sieste, comme ça résolvait tout. Des armes, je crois, hein, vraiment. Oui, des armes. J'aime bien t'appeler par le nom de ton père. Attends, qui peut te vendre des armes? Bah je sais pas, mais en gros parce qu'on a de l'argent et voler des voitures tous les jours c'est bien, mais... En vrai là, mais tout de suite on a pas vraiment d'argent. Si on a des armes, on a 60 000. Si on a des armes, on peut vendre des voitures. On peut voler des voitures. Connard de merde. C'est quoi ton prénom déjà? Paolo. Hermano, si jamais on a des armes, on a des voitures. Et là on a 60 000 dans le coffre. Oui, c'est pas faux, ça c'est vrai, on a les deux. Oui. Vas-y, je vais garer la voiture. On a pas plus que 60 000. Brems, je prends les 4 kizis aussi, Brems. On n'a pas plus que 60 000, Hermano. Non, on n'a pas encore tout vendu. Mais j'ai dit Brems, barre-toi. Et alors, on partage. On est deux frères. Aïe. Mais pourquoi tu tapes les clients? Arrête de taper les clients, bordel. Depuis, vous allez pas acheter. Tiens, Hermano, prends de la cocaïne pour te faire pardonner. C'est bon, je l'ai consolar. Tu te rappelles, à l'époque, quand tu avais un point de récolte, un point de transformation et un point de vente? Non, je me rappelle pas, j'étais trop petit. Bien répondu, ça. Ah, Rafi m'appelle. C'était une question de piège. Bon, tu me le montres, ce passage secret, ou faut que je t'aspile le chibre? Aïe, l'Orio, Rio. Quoi? Aïe, là, Rio, tu m'as poussé. Tu viens du nord, c'est ça? L'eau, oui. L'eau, Rio. Venez, je vous montre le passage secret. Et par contre, c'est un secret, hein. Vous devez le dire à personne, non? Pourquoi t'aimes bien monter dans les parasols? Je fais pas exprès. Je fais pas exprès de monter un parasol, c'est pas possible non, de pas faire exprès de monter un parasol. Je fais pas exprès. Tu contrôles ton corps? Non. Regarde là, hop. Ça c'est du parcours, on appelle ça, on appelle pas hop, ça. Et là, regarde, secret, et ça, là, tu rentres. Allez, force à vous. Ne rentre pas, Rio. Vas-y, Rio. Il est trop con. Et voilà, Rio, tu t'es fait niquer. Comment alors là, vraiment, regarde. Nous étions à Cove Center. Là, nous sommes actuellement Didion Drive les gars, au-dessus non, mais attends. Comment c'est possible? Ok, Rio, porte... Non, il faut juste se débloquer en anglais. Non, je vais te montrer un truc. Voilà. Regarde. Viens voir. Je vais te montrer un truc encore plus intéressant. Comment tu expliques ça, Rio, hein?
C'est impossible. Il y a pas d'explication. Ça, mon daron, il m'a vraiment appris sur la loi de la relativité, des trucs comme ça, les trucs logiques, pas logiques. Tu as déjà vu Harry Potter? Oui. Tu vois quand Harry Potter et Dumbledore ils se tiennent le bras. Oui, ça, c'est avec un porte loin. Oui, avec un porte loin, ouais. Mais c'est pareil. Mais là, j'en ai beaucoup d'argent. J'ai fait 5 000 $. Oui, donne-moi ta plata, hermano. Tiens, Rio, donne-moi. Tiens, j'ai 2 432. Il me restait 9 300. Attends, mais il me reste deux pochons, ça me casse les couilles. Vas-y, va les vendre. Il arrive, évidemment. Mais y'a personne. Oui, allô, Sully. Ça va ou quoi, Ravir? Oui, ça va, hermano. Vous êtes là, je suis où? Ouais, le temps, il est passé plus vite. Dis-moi, hier, j'ai eu une altercation avec un de tes hommes. Ouais, je suis au courant. Ça. Comment ça se passe dans les ghettos? Bah, ça se passe que. Je vais pas te mentir, hein, là, quand t'as plus personne envie de bosser avec toi, hein, dont moi. Hermano, tu as pas ma version des faits. Merci, Neoz. Quoi, ta version des faits? Merci beaucoup, Neoz. Le truc, c'est que moi, je m'embrouille avec un petit de chez toi. C'est même pas un grand. Tu vois? Certes, je lui vole ses habits. C'est vrai. Mais celui qui n'a jamais volé des habits Palm Angel à un gars de Gangton me jette la première pierre. Je te jure qu'il n'y a personne qui va te jeter la pierre. Hein. Personne ne nous vole des habits. Bah, justement, alors ils vont me jeter la pierre, imbécile. Bah, ouais, bah, du coup, ils te jettent la pierre. Ok, bon, quelqu'un qui n'a jamais. Bref, la question n'est pas là. Lui, il vient me voir, il me parle, il me dit oui, connard et tout. Du coup, moi, je le mets dans un coin, couteau sous la gorge. Je lui vole ses habits. C'est vrai, je dérape un peu, je lui mets un coup de couteau, je sais plus pourquoi. Là, le problème, c'est que t'as planté un gars et t'as tiré sur. Oui, mais laisse-moi finir. Moi, je me suis dit, à Gangton, vous êtes pas des salopes, je m'embrouille avec un petit, je suis moi-même un petit, ça va se régler entre lui et moi. Et là, qu'est-ce que je vois? Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je découvrîme que des grands de chez Gangton ont sorti des pétards pour braquer des hommes en bas. C'est pas eux, personne n'a braqué des pétards. Si, c'est eux, deux pétards, un avec le t-shirt noir et jaune et l'autre avec la veste violette. C'est eux deux, c'est pas des grands, hein, ils ont pas de bac, c'est des petits. Et ils traînent tout le temps avec toi? Ouais, ils traînent avec moi, mais c'est des petits, c'est des mecs de Gangton, c'est des petits, c'est vraiment ils des petits. Ils ont des bagues? Non, ils ont pas de bagues, eux deux. Ah merde. C'est pour ça, je te dis, c'est pas des grands. C'est pour ça, là, t'es parti en couille, Ravir. Hein. Moi, je peux pas te mentir, hein, si tu veux continuer à bosser avec nous, il va falloir que tu fasses tes preuves. Après, plus, hein. moi, je bosse avec toi, mais moi, je me suis dit, ils vont pas sortir du pétard pour un petit coup de couteau, Bah, moi non plus, après, c'est vrai que la réaction est disproportionnée, mais. C'est pour ça, après. Les pétards, ils sont sortis. Moi, j'ai mis un coup de couteau à un, j'ai voulu le turn sur le deuxième, il me restait que 9 balles, j'ai raté. C'est son frère, ça veut dire il a sorti son pétard. Je comprends. T'aurais dit, yo, c'est bon, j'arrête, il t'aurait tabassé, fini, tu vois. Oui, je comprends. Donc là, t'as fait de la merde, Maïdji. Après, je vais pas te mentir, il va falloir te racheter. C'est pas lui qui me ravitaille en stup, c'est toi, hermano. Ouais, c'est moi, mais ça change rien au fait que t'as quand même planté des mecs qui font tourner mon business. Donc ça me fait perdre de l'oseille à moi aussi, tu vois. Ouais, je comprends. Donc je te dis, si tu veux continuer à bosser avec nous, il va falloir te racheter, me ramener des choses qui peuvent me servir. Et voilà, et on verra. Trouve-moi un pétard, j'ai perdu le mien hier. Ah ouais, mais là Maïdji, si c'est pour en faire ce que t'en as fait hier, je non, promis, pas, ça m'intéresse moins. C'est pour braquer une banque, je vais te ramener des lingots, hermano. Tu veux des lingots? Ouais, ça m'intéresse. Dis-moi, ça t'intéresse une Glendale ou pas? C'est une 4 places qui avance un peu. Combien? Je la vends, elle coûte 65 000 au concession, elle est full custom, je la vends 50. Je préfère deux pétards. Elle va te faire enculer. Pourquoi? C'est quoi le rapport avec une voiture, là? Ben, en fait, je me dis qu'avec un pétard, je peux voler des voitures. Avec une voiture, j'ai qu'une voiture. Ouais, mais c'est pas la tienne. Tu la voles, tu te fais péter, tu perds ton pétard. Ben si, je la ramène chez un cellulier, je prends les clés. Ah ouais. Ouais, bah écoute. Non, mais comme tu veux, moi, c'est une bonne voiture, ça tirait bien. En vrai, je vais pas faire ça, mais en gros, le truc, c'est que Glendale, ça m'intéresse pas trop. Moi, je suis plus dans les Argento, Jugular, tu vois. Ah ouais, je vois. Ouais, t'es un fils de pute, quoi. Tu comprends? Okay. Ouais, ça marche. Ah, tu feras gaffe, c'est interdit quand même. Mais c'est interdit par qui? Ben par nous. C'est qui nous? Les Gangton? Non, nous. Les Gangton? Ouais, les Gangton, ouais. Les criminels? Ouais, les criminels, ouais. Ouais. Et ils vont me faire quoi, les criminels, si je roule en jugular? Ils vont tuer, hein. Je pense qu'ils vont tuer, Maïdji. D'accord. Voilà. Merci. Bon, vas-y, tiens, merci, mon con, merci, hein. Au revoir. Ouais, au revoir. Mais Rio, toi, tu vas être là souvent ou tu vas être là une fois sur 12? Non, je suis là tout le temps. Tu m'avais dit pareil la dernière fois. Non, là je suis trop. Eh vas-y, je parle le bon américain, je suis rematrixé sa grand-mère la pute. Tu comprends? Tu peux pas matrixer par ton gosse, sale bâtard.
Aïe, aïe. Et ton gosse enculé. Attends, faut voir si je t'enculais à la bagarre comme j'enculais, comme mon père il enculait ton daron à la bagarre. Vas-y. Bah j'ai pas envie de me battre. Ah. Aïe. 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 T'es fort hein. Non c'est bon, j'allais, tu as gagné. Attends, vas-y, c'est bon, j'ai bon, j'arrête, c'est bon, on arrête. Vas-y, on arrête. Tenez, bande de fils de pute, au lieu de vous battre. Tiens, attends, recule, on fait un duel. Je monte la spéciale de mon... Vendez sur mon terrain, là. Vendez sur mon terrain. J'ai où t'en sais. Personne ne vend, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Ok, bah attends, deux frappes, y'a mes quelques couteaux, là. Mais attends, mais pourquoi tu tombes pas? Attends, mais je bouge plus, il a sorti un pétard, putain. Reste là, toi. Mais toi, bouge pas, toi. Attends, oh le couteau, magnifique, il a un pétard. Il a un pétard. Bouge pas toi. Baisse ton couteau. Tu nous braques nous aussi. Je sais pas si... Vous, depuis tout à l'heure. Mais non, attends, pas toi. Lui, il a traîné de nous braquer. Je comprends pas, il a un coup de sang. Je sais pas, j'ai peur. On est au restaurant, pas d'embrouille. Bonsoir messieurs, vous voulez un petit peu de sucre dans votre café? Exactement, pas d'embrouille. Baisse ton couteau. Mais il est venu nous braquer avec des couteaux, on vend même pas. Voici pour vous messieurs, tenez. Oh putain. Ouais. Mais je vends du café. Mais je vends du sucre, c'est du sucre. Ok, on se barre, putain. Ok, je me barre, on se barre. J'ai rien compris à ce qui vient de se passer, bordel. Mais je sais pas, on est en train de se battre. Devant nous, bande de trous du cul. Mais pourquoi tu tombes pas? Mais parce que je suis en mode. Non, regarde, le mec abuse, c'est le mec qui abuse de ouf. Mais attends, mais bordel, mais tu vas tomber, oui. Attends, je vais te montrer la spéciale de mon père. Vas-y, fais voir la spéciale de ton père. Attends, je peux pas taper. Je te jure, je peux plus taper. Pourquoi? C'est qui ce fils de... Je sais pas qui... C'est Rico. Qui est Rico? Attends, stop. Fils... Arrête. On est sur notre terrain. Arrête de me taper, toi. C'est qui, lui? J'ai de la cam sur moi, j'ai de la coque sur moi. Quoi? T'es qui, toi? Je vous batte, bordel. Donne-moi un peu de cam. Vas-y, prends la cam. Pousse les hermanos. Les hermanos, donnez-moi, moi je fais la banque. Vous vous vendez, moi je fais la banque. Au moins, si jamais vous faites arrêter. J'ai ramené un nouveau gars, il veut être vagos. T'as ramené un nouveau gars, il veut être vagos? C'est qui? Ouais. Il a mis son moi, donne-moi mes 500 dollars à moi. Je vais te donner 500 dollars. Et tiens, prends le calibre aussi. C'est qui ça? C'est qui voiture blanche? Les gars. Tiens, hermano. Quel pétard. Les gars, y'a des mecs qui nous regardent. Aïe! Là-bas, ils vendent la cam. Sans monsieur, c'est un contrôle de police. Vos papiers, s'il vous plaît. Monsieur, et comment ça? Aïe! Mais non, mais je suis un contrôle de police! Je suis un contrôle de police! Nique-le. Piqueur saute, putain, saute, piqueur, putain! Bombard, faut le niquer. Mais non, mais pas ton. Oh là là! Non, les mecs! Mais prends tout le monde à consommateur! Vas-y. Eh ben, non, Baker. 50 tonnes le quartier! C'est lui, il veut être vagos. Vas-y, Sam. Pourquoi y'a la marre? Mais il veut être vagos. C'est pas la marre, c'est Bader. J'ai de la cam, venez en vente. C'est Bader, vend. Allez-y, vendez. Voilà, Javier, Bader, Javier. Salut, Javier. Vagos. Oui, vous pouvez. Tu m'as tout pris, je crois. Moi, je t'ai rien pris, moi. Je dois vous dire que ici, ça appartient à Gunton. Donc, il faut pas que vous vendez là. Ferme ta gueule, Bader, ferme ta gueule, connard. Putain, tout le temps, il ouvre sa grande gueule. Allez, faut faire partir, les gars, faut faire partir. C'est qui ce fils de pute là? Mais c'est Yvette Vagos. C'est Bader. Tu fais quoi là? Je me rappelle de toi hier. Paolo, il m'a amené ici. Est-ce qu'on t'a dit de venir ici? Est-ce qu'on t'a dit de venir ici? Paolo, il m'a amené ici, moi je veux pas être vagos. T'es un gangton, toi, fils de pute. Hier, je t'ai vu avec les gangtons. T'es venu dans mon quartier. Mais t'es qui, toi? Pourquoi tu laisses des gens vendre dans notre territoire? Parce que pour l'instant, on est des merdes, hermano. C'est pas grave, laisse. On va côte à côte, tu me prends Mickey. Hermano, c'est pas grave, il y en a. Je vais l'enculer. Il y en a plein pour l'instant. Non, attends, je vais l'enculer. On fait profil bas, hermano. Je vous présente mon perroquet, il s'appelle Coco. D'accord. C'est quoi Coco, cette merde encore? Coco. Ouais, pourquoi lui il a un perroquet? Dis bonjour Coco. Tiens Javier. On a combien en tout là? On a combien à la banque? Enfin à la base. 41 000. Quand t'es qu'avec la banque? Hier il y en a, ils ont pas posé hein. Là sur moi, je dois voir dans les 27 000. Est-ce qu'on en commande 200 encore ou pas? Ils volent. Oui, je pense commande, hermano. De toute façon, là, c'est le premier jour, faut qu'on stack. Oh, attends, je lui ai dit. J'ai fait rendez-vous avec les Harlem. Et les Harlem, ils ont dit si vous vendez beaucoup de cam, je vous donne des quêtes secondaires et ils peuvent vendre des armes aussi. Oui, il nous faut des armes. Et ouais, ils ont dit, mais d'abord. Mais ton Sully, là, il vend pas d'armes, là. Non, mais en gros. En gros, hier, j'ai parlé avec beaucoup de gens, tu vois, en ville. Ouais, lui, ouais. Moi et Soledad.
Et ils m'ont dit, les boss, moi, en gros, actuellement, au... c'est au eux quartier. Qui tiennent, c'est les Harlem. Et eux, ils vendent de la coke à 170. Ils ont dit, et quand on a confiance en toi, on passe à l'étape supérieure. Bah, on la prend à 170 aussi, hein, chez les Ancient Series. Et c'est eux qu'on fait le plus de marge, c'est niveau coke ou niveau bœuf? Franchement, niveau bœuf. Mais il faut vraiment penser marge, hein, parce que si jamais on vend 300 la coke, mais qu'on a acheté 250, tu vois, c'est pas worth. Bah, 170, et là, on la vend entre 250 et 260, ça fait combien de marge? 90. Et la bœuf? On l'achète 70 et on la vend 140. Ça fait 70. 70, bah non, on fait plus de marge sur la coke alors. Et, mais en fait, faut juste qu'on puisse savoir où on peut acheter les graines pour planter. Comme oui, ça, on ça, ça c'est vrai. Ça. Ce sont Daron, fait, il a tué mon Daron. Jamal, là, il va revenir vers moi là maintenant. Là, il m'a rappelé. Mais lui, c'est que pour la bœuf. Il va jamais te donner le filon. Si, c'est si, son filon si. Vraiment, je te jure. J'ai... Va, Jamal, Javier. Je parle bien avec lui. Ça va et toi, Hermano? Ah, Javier, ça va. C'est lui qui, oui, c'est lui qui m'a présenté les Ancient Series, Rafi. Tu sais que j'ai des mauvais souvenirs ici. Ici? Ah oui, que je t'ai tiré dessus. C'est vrai, ça va mieux? Non, ça va pas, tu vois pas, j'ai une attelle. Mais Hermano, pourquoi quand je t'ai braqué, tu es parti en courant? Mais je t'ai pas entendu, moi. Déjà, j'ai même pas vu que tu me braquais. Putain, en fait, en gros, il faisait un peu sombre. Moi, j'ai vu quelqu'un qui vendait ici, je l'ai braqué, j'ai vu qu'il est parti en courant. Je me suis dit, bon, bah, il décide de courir. Je tire. Ah, toi, tu tires direct. Bah, si je braque quelqu'un et qu'il tire, et qu'il court. Il fallait crier un peu plus fort. J'ai crié. Je te jure, je t'ai pas entendu, moi. J'ai crié, pardonne. C'est qui le dernier numéro qui est sur le groupe? Putain. Soledad, non? Le dernier, c'est personne. Soledad. Et c'est qui 5, je suis là, vous êtes où, c'est qui? Ça, c'est le fils de Vertugo. Ça, c'est Rafi. C'est moi, c'est Rafi, ouais. 41-12, c'est Rafi, ok. Ah, faut trouver où on plante. Attends, moi, je vous dis, on pète un Crips ou un Bloods et on nous dit où il achète, c'est où qui, il récupère les gars, les graines. C'est qui, oui, les gars? Mais c'est quoi, là, c'est qui, oui, les gars? Moi, je te dis, Rafi, on attend Jamal. Jamal, il va me rappeler là. Je l'appelle, il m'a rappelé dans 5 minutes. Bon, par rapport justement à ça, pour qu'on puisse acheter nous-mêmes les graines et tout. Non, parce qu'on les récolte, les graines. Et lui, il va nous les vendre. Oui, les récolter, etc. Non, pas les vendre. Parce que hier, je lui ai dit vendre. Il m'a dit non pour les points que tu récoltes. Et pourquoi il fait ça alors qu'il gagne des sous en les vendant? J'en sais rien. Hier, il m'a présenté les Ancient Street qui m'ont vendu de la coke et tout, etc. Et je sais pas, c'est un bon. Il m'a dit juste, oublie pas plus tard, c'est tout. Ok. Écoute. Je sais pas. Du coup, là, on va avoir de quoi faire notre drogue à nous-mêmes. Ben, je crois bien, ouais. Mais c'est long, ça, après. Hein. Je sais que pour faire de la weed, c'est long. En vrai, j'aime bien la drogue. Vraiment, j'aime bien faire ça, c'est cool. Mais... Attends, vite fait, il y a un mec là-bas, là, je le vois. Après, dis-toi que... dis-toi qu'après, une fois qu'on a fait la cam, on fait 140 de bénéf. Ouais. Ok. Mais c'est du temps perdu, quoi. Allez, pas trop, mais bon, t'as capté. Attendez, les gars. Parce que après, même si, dans tous les cas, même si on trouve pas comment récolter, etc., ouais. Même s'il y a des gars qui nous vendent, on va déjà faire le plus de marge. Tu vois, on grind tout petit à petit. On vend des pochons, on achète des graines, pipi par terre, et ensuite on trouve des graines. Moi, je fais pipi tout le temps, moi, j'ai une maladie. Il fait pipi tout le temps, lui. Ah oui? Je stresse un peu, je fais pipi. Ok, venez, on va faire un tour. On trouve, on va chercher de quoi trouver des plantations. Pourquoi j'ai un match alors que j'ai même pas installé Tinder? Allô? Ça va, Hermano? Ouais, ça va et toi? Dis-moi, tu veux que je vous laisse tranquille? Pourquoi? Parce que j'ai un dernier service à te demander avant que je vous laisse tranquille. On commence tous par un R, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce que tu peux m'apprendre à faire pousser des trucs? Me dire où acheter les graines, tout ça? Ouais, ça y a pas de soucis, Hermano. Ah oui, c'est vrai? D'accord, quand? Où? Comment? Là on va faire des trucs là, mais si tu veux on fait ça après. Non, t'es fou du cul. D'accord, n'oublie pas s'il te plaît, ne m'oublie pas. Sinon je vous fais la misère, enfin sinon je continue à m'agripper à vos pattes. Attends, mais tu crois, on a peur de toi, fils de pute? Non, pas peur, mais sinon je continue à m'agripper à vos pattes, je reviens dans les Rokina. M'agripper de quoi? On va te canner. Ah, tu reviens? Ah non, c'est bon. Super, vas-y, m'oublie pas. Ok, je t'oublie pas du coup. Super. Ok, je... C'est si terrible que ça, Javier? Oui. C'est menace, je reviens avec vous. J'ai jamais vu ça. Ok, une voiture pour vous. Merci. Allez, on roule, on dégage. On va où là? Ah, Jamal. Oh là là, Jamal m'appelle. Ah, attends, peut-être la plantation. Et que quelqu'un monte avec lui. Attends. Arpitié. Ouais, t'inquiète. Comme là. Une voiture ici.
Mais elle pue sa mère ta voiture. C'est pas grave. Bon, les couilles, 4 places, viens. Il va m'envoyer une pause, Jamal. Jamal, c'est qui déjà? C'est le OG des Bloods. Celui qui m'a présenté les 18 qui nous ont vendu de la coke. On va faire le chercher Santino. C'est qui Santino? Ah putain, putain. Fils de Golo. Oh, y'a Santino derrière. Puis c'est vous, mais bordel, casse-toi. Par contre, il m'a dit venez genre à 2-3. Il m'a dit viens pas, je sais pas combien. On est à 4. Une voiture, c'est bien. Il est où Santino? Mais je répète, hein. Si lui, il nous donne des plantations, ce n'est pas pour de la coke, c'est pour la beuh. Bah vas-y, il est parti là-bas. C'est pour ça que je déteste les gangs, connard. Pourquoi? Parce qu'ils toujours ils fassent quelqu'un. T'as remarqué ou pas? Les gars, j'étais en train de vendre. J'étais en train de vendre. T'as des sous un peu? Max Benef ou pas? T'as des sous un peu? Ouais. Tu as combien, hermano? J'ai 3400. Ouh, super. Ok, t'as combien là sur toi du coup, Javier? Tout ce qu'on a fait là maintenant? À peu près 25 000. Ah, c'est bien. Aïe, aïe. Mais j'avais. Non, mais j'avais 8 000 rien qu'hier. Mais attends, on va d'abord à la maison, je vais poser la plaza. Ouais, mais ça, peut-être que... Ouais, à la maison. Peut-être que Paloma et Soledad, elles avaient aussi sur elles de l'argent. Soledad, elle a tout posé hier. Elles sont où Paloma et Soledad, là? Je sais pas. Soledad, elle est au quartier. Attends, je lui dis qu'on arrive. Aïe, aïe. J'ai dit, oh. Elle est où Soledad? C'était marqué Barrio. Pourquoi tu me fais un doigt? Ah, j'attrape ton doigt, je te le casse. Oh, tu viens de faire le bruit avec ta bouche. C'est pas normal. Eh oh, je t'ai attrapé ton doigt. Je te l'ai cassé ton doigt. Rafi, à qui, à moi? Oui, à toi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, mon doigt. Rafi, c'est pas vrai, il a fait le bruit avec sa bouche, je te jure, je l'ai vu. J'ai vu, il a fait... Moi, j'ai vu ses mains, ils étaient toujours sur le volant, il les a pas bougé. Oui. Casser les couilles, hein, vraiment. Je comprends plus, il y a quoi qui est vrai, il y a quoi qui est faux. Bordel, c'est notre baraque déjà. Ah oui, c'est là. À gauche. Oh là là, mais t'es de pire. En fait, quand t'es pas... Quand il n'y a pas les keufs derrière toi, t'es le pire conducteur. Oui, c'est vrai. En même temps, pourquoi l'entrée elle est ici? C'est trop chiant. Aïe. Après, il y a une autre entrée, mais c'est pas possible, sérieux. Par contre, les gars, je savais pas, j'avais un cousin, moi. Salut Soledad. Ok, je vais poser la place, ça rien qu'on monte tous. Ne montez pas tous, ne montez pas tous. Mais je dois aller poser la place. Mais il y a au total. Donne-moi, je vais poser. Vas-y. Tiens. Prends pas tout, laisse-moi 1000. 1000? Ok. Mais 1000. C'était comme ça, la dernière fois? Tiens, maintenant. Vas-y, bien. Prends pas trop. On y va parce qu'ils nous ont envoyé la pause. Ils t'ont envoyé la pause? Ouais. Un gars. Tiens, conduis. On y va. Il a dit 3-4 max. Ouais, il a dit 2-3 max. Il a dit 2-3 max. Vas-y, par là, Santi, viens. Viens, Santi. Vas-y. Allez chercher où on fait pousser les graines, en gros. Ça y est, je sais déjà où on fait pousser. Va chercher des graines. Trouve des graines, ramène des graines. Aïe, mais ferme ta porte, la fille. Il y avait combien de courriers? On a 69 000 en tout. J'ai compté. Moi, je dis 65 000. Non. Moi, je dis 70 000. On a 69 000 en tout. 69 000. Oh. Okay. Pas loin. On achète une coachée, non? Non. En vrai, il nous faut des armes. Il nous faut des pétards. Les voitures, sinon, ça se vole. Sinon, on apprend à les craft. Ah non, non. Eh, on a un endroit en bas pour... Non, on va pas craft des armes. Oh, ouais. C'est trop dur. J'espère vraiment qu'il va nous arranger. T'as pas pris de plata avec toi là, non? Non, j'ai rien pris. Non, j'ai pas pris. Ok, parce que je sais pas s'il va nous montrer, s'il va nous vendre des graines, je sais pas. On verra bien. Ouais. On lui dit quoi s'il nous dit. Attends, ils sont quoi? Nous suivent? Oui, nous suivent, je crois. Ah oui, vous voulez qu'on fasse quoi? Bah, je sais pas, hermano. On t'a dit va planter des graines, putain. Ta mère, la graine. S'ils veulent qu'on achète des graines, on dit quoi? Bah, oui, ça y est, si on peut acheter des graines, on achète des graines. Vas-y. Mais on va les trouver nous-mêmes. Va de peine de croire, arrêtez de tout le temps vouloir acheter. Comment, tu veux faire dans toutes les portes comme avant? Ah non, j'étais pas né encore. Tu racontes dans toutes tes portes. J'en attrape un. C'est vrai, comme avant, qu'est-ce que tu me racontes? C'est vrai, avant, c'est comme ça. Tu cherchais des portes, toi? Non, on le menace, les gars. On le menace. C'est vrai que je me menace avec mon matériel. C'est où? Ah, c'est en bas. C'est là, en bas. C'est pas... Casse les couilles. Vas-y Javier, c'est toi l'expert dans la drogue, c'est toi qui parle. Ah oui, pourquoi c'est moi? C'est toi qui parle. Allez Javier. C'est toi qui parle. Allez. Tu es le bon négociateur. Allez, on a tous décidé que c'était toi. Mets une main sur la tête. C'est pas moi. Normalement, t'as mis les bandes noires? Il a pas mis la petite musique encore. Ouais, j'ai enlevé tout. Allez, moi... On est là, regarde. Attends, mais c'est qui? Je les connais même pas, c'est Hermano. Ah, c'était en haut? En haut et à gauche? Vous voulez que je négocie avec des gens que je les connais même pas? Bah, apprends à les connaître. À ma gauche. Mais là, je te... Hermano. Ah, ok, c'est bon, je te vois, c'est bon, on arrive. C'est le pire flop du monde. C'est la pire entrée charismatique du monde. En même temps, leur poids, c'est plus la merde. Eux, c'est qui déjà? C'est les Bloods. C'est
C'est Bishop. C'est quoi ce flop? C'est Bishop l'ancien. Aïe, 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 aïe. Vous avez pas la ref. J'ai pas 50 ans, désolé. Moi non plus. Je rigole. Vas-y, fais les fils. Y'a rien. Allez, Javier, c'est... Allez, Javier. Mais Hermano, en plus, les bouts... Si, Javier, c'est... Je m'en fous, c'est toi, Javier. J'aime pas ce par là. Si. Attends, je crois pas. Ça se trouve, c'est de l'autre côté. Mais vas-y, montre-nous le son des racontés. Non, c'est là. C'est pas là. Allez, si, là. C'est là. Ouvre les yeux, Rio, putain. Regarde ce qu'il fait. Voilà. C'est quoi, on a aucune crédibilité, fils de pute, comme ça. Et alors, t'as voulu que ce soit moi qui parle, je vais pas. Vas-y, c'est bon. Il va tout liquer. Ça va les gars, ça va déjà mal? Ça va tranquillement, ça va Ravière? Oui, ça va les gars. C'est plus un Rokina, Ravière, c'est fini. Non, je suis plus un Rokina, c'est terminé les Rokina, finito. C'est notre réfé. C'est toi le réfé maintenant. Non, je suis pas le réfé, on n'y a pas de réfé. On dirait que t'as pas trop envie d'être réfé. J'ai pas trop envie, non. Ouais, regarde comment je positionne, ça c'est pour qu'on aura la K47. Ouais, Jamal, c'est... Attends, je parle. C'est qui parle? C'est Jamal? La casquette noire, l'ancien. C'est qui l'ancien? C'est casquette noire. C'est Bishop? Ah, c'est Naito Bishop, c'est ça. Bishop. On voit ton tag de partout, Bishop. Ah, incroyable. C'est un honneur. On a faim. Je suis à un rendez-vous, je te rappelle. Bref, on m'a dit que vous avez faim, vous aussi, pour chercher des terrains. Je te mens pas, en fait, comme j'ai déjà Jamal hier. Hier, on a eu le temps d'écouler je ne sais combien de kilos de coke, de bœufs, etc. Ouais. C'était plus, je voulais augmenter le truc pour qu'on soit charismatique, bâtard. Enfin bref, on voulait juste taper dans le supérieur, tu vois, genre produire nous-mêmes et puis faire une plus grosse marge. Parce que là, franchement, je te mens pas, c'est difficile. On n'a pas de voiture, on n'a pas de trucs, il faut qu'on augmente rapidement. Mais quoi, tu veux faire que de la weed? T'as envie d'être que sur la weed? Moi j'ai envie de produire. Nous, on a juste envie de produire. On a peut-être un truc pour vous, à vous donner pour produire. Ah ouais? J'ai un plan peut-être pour vous. Le truc, c'est que c'est moi qui gère la weed pour l'instant. Les enculés, on les voit pas trop. Bref. Pas vrai, c'est Gangton qui gère la weed. Oh, Gangton, ils parlent beaucoup, mais ils font pas grand-chose. Bref. Moi, le truc que j'ai à vous proposer, c'est que le crack, ça vous intéresse, le crack, la galette des rois. Le crack. Oui, pourquoi pas. On va dire qu'on est sur le même bénéfice. Que ça soit sur la weed ou sur le crack. C'est quoi, c'est un petit peu supérieur au weed? À la weed? C'est un tout petit peu, on va dire. Ça joue à 3 dollars près, on va dire. Moi, ce que je te propose, c'est le crack. Qui veut dire que... Vu que vous venez d'arriver, bien sûr, je te donne... Où il y a le champ, je te donne... Où il y a le labo, mais... Un petit pourcentage dessus. Sur des... À chaque semaine, on va dire, je vais être gentil, sans pochon. Je suis vraiment gentil. Mmh. On galère. Et après, vous démerdez là-bas. Il y a le labo, il y a tout. Je donne tout ce qu'il y a à faire dessus. Mais ne pas faire les trous du cul, parce que chez Ravière, il aime bien se montrer Ravière. Non, il n'aime pas bien. Là, il réfléchit. T'as vu? Là, il m'a fait un rêve déjà. Pourquoi il dit ça? Non, mais arrête, Javier, il était juste mais en train vrai, de pourquoi il m'envoie te complimenter, c'est un compliment. C'est un compliment, Javier. Rio, arrête de parler là. C'est Javier, chéri. Mais c'est simple, hein. soit t'en veux, soit t'en veux pas. Hein. Soit après tu vas aller travailler à les Compton comme des petites chiennes qui vont demander une taxe phénoménale et tu vas fermer ton cul et sinon ils vont commencer à te baquer. Ils vont te faire le cul tous les soirs et tu le sais très bien, Javier. Ils aiment bien montrer leurs geeks dans toute la ville. Eh ben, tu vois la tenue qu'il a, Javier? Ouais. Oui. Eh ben, on l'a raquetté hier au mec de Gompton. Personne nous fait le cul à nous. Et personne nous taxe. Ouais, pas celui, mais personne nous taxe, personne nous fait le cul. Okay. Bref, voilà ce que je te propose. Après, tu vas aller sur la weed. Je peux te mettre sur la weed. Il commence à avoir beaucoup de monde. Non, le crack, c'est bien. Le crack, c'est un peu calme. En sérieux, le crack, je vois personne vendre du crack. Donc ça, ça changera un petit peu, tu vois. Donc moi, ce que je te propose, c'est tu vas sur le crack. Il y avait les Haïtiens, ils sont plus là, je sais pas ce qui leur est arrivé. Il n'y a que 2-3 personnes, il y a les ouverts dessus, je pense. Pour moi, ça. Tu peux leur faire le cœur à eux aussi. Moi, je te passe le petit champ de graines, tu fais pousser. De toute façon, je ne vais pas te dire que tu achètes les pots, ça, tu le sais. Non. Mais si, on sait. Si, on sait. À l'épicerie. On sait, ouais. Tu vas là-bas, tu penses que tu as affaire, tu fais pousser, mais tu perfumes bien les plantes. Et dès que t'as récupéré les feuilles de coque, c'est de la coque crack mélangée avec des substances super bizarres. Bref. Et tu vas au labo, tu mets tout en pochetard.
et tu te feras un bon bénéf. La vérité, tu te feras un bon bénéf. Ouais, je vois. On voit le temps. Si je vous bosse avec nous, que tout marche bien, vendez sur un de nos terrains. Le labyrinthe, qui rapporte énormément. Personne viendra vous casser les couilles. Le truc center, là, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. ouais. Non, on va... ça marche, c'est un bon terrain là-bas. Oui, c'est un bon terrain. À votre voix. Après, je vous réfléchissez. Après. 100 pochons par semaine. 100 pochons par semaine. Tu vois, je te demande pas la lune. Il y a les Crips aussi, ils nous ont dit que sur le Core Center, ils ont la même mise un peu. Je suis en train de leur les dégager. Bref, ils ont voulu mettre la main, je les ai redégagés. Ils veulent refaire une petite guéguerre, je vais encore les redégager. Et puis voilà, ça, c'est pas votre souci. Même si je perds sur un terrain, quand vous faites la main, s'il faut, je vous mettrai sur un autre terrain que j'ai. Les terrains, c'est pas ce qui manque. Après, à voir comment ça se vend là-bas, parce que peut-être ça se vend pas super bien, ils sont pas trop intéressés. Ah, je t'avoue, mon gars, ça se vend très très bien. C'est vrai, mais sinon, je tiendrai pas ce terrain-là. C'est vraiment des camés, ces fils de pute là-bas, ils prennent tout en fait. Ouais, je crois qu'ils prennent tout là-bas. Et après, si un jour, je vois que vous êtes pas des trous de balles comme certains de cette ville, connaissance d'autres personnes qui vendront des meilleurs matos, peut-être de la coque ou de la bleue. J'ai des bons partenaires. On a déjà par rapport à la coupe, Jamal il m'a fait représentation avec les H Insurity hier. Voilà, c'est les meilleurs. Avec Reiner, etc. Non, je m'en rappelle plus, on a déjà vendu les mecs. Arrêtez de me faire chier ça, j'ai oublié. Ben voilà ce que j'ai à te proposer. Maintenant réfléchis avec tes gars, si ça t'intéresse, y'a pas de galère. Non, mais si c'est 100 pochons, oui, 100 pochons par semaine. Ouais, c'est 100 pochons par semaine pendant combien de semaines? On va dire. Allez, ça fait deux fois, ça te fait 200. 100 cette semaine, 100 la semaine prochaine, après tu te démènes. C'est bon, marché conclu. Marché conclu. Et ben ça va être simple, il y en a dans 5 minutes, on se rejoint quelque part, je vous montrerai où. Tu nous montres tout, graines, labo, tout. Je te montre tout. On veut savoir aussi où on achète le fertilisant, les trucs comme ça là. Fertilisant sur LTD mon gars. LTD, tu vois, LTD. D'accord. Si il faut, tu sais quoi, on vous montrera vite fait comment. Oui, super. Ok, d'accord. Vas-y, merci. Merci Jamal. Vas-y, on se capte plus tard. Y'a pas de quoi, ça te rappelle. Merci, t'es un bon fauteuil roulant aussi. Pourquoi t'as fauteuil roulant Oh, t'inquiète pas. T'as bien fait. T'as bien fait, l'ancien. Son daron, il t'habitue aussi à Javier. Rio. Est-ce que je suis charismatique comme ça? Fais vite, faut que t'es dans mon tour. Non, mais Jamal, au pire, récupère-moi de l'autre côté, j'ai passé le tour. Non, mais t'inquiète, je t'ai démonté. Comme ton daron. Me blancher, tout, c'est bon, vous avez pris contact avec tout ça. Non, que dalle. On a que dalle, justement, c'était la dernière question que je voulais te poser, mais je voulais pas trop abuser par rapport justement à des petits pétards et tout, parce qu'il faut qu'on la protège cette cam. Frère, je vais pas te mentir que c'est. Vers qui on doit s'adresser? Même juste des couteaux là, déjà, rien que des couteaux. Voilà, à la rigueur, si je peux contacter la personne qui nous contacte. C'est lequel là, au moins un vieux de chez vous là. De quoi? C'est vrai qu'il y en a besoin. C'est lequel le plus vieux de chez vous? En âge. Y a pas d'anciens, regarde. On est tous pareils, presque. Mais qu'il le chope, pour ça. C'est qui l'a chopé, fils de pute? T'as eu quoi? C'est moi. Tiens, j'ai pas besoin de couteau, moi. Ah, donne. En vrai, moi je vais faire maintenant. Moi, de toute façon, je peux pas l'utiliser. J'ai un bras en moi. À toutes les Bloods! Merci, Bishop! Nunu, Rio, il pue la merde, Nunu. Rafi, fils de pute, hein. Nunu, pourquoi ils vont nous passer ça? Bien joué, Rio. Bien joué. 1-0 pour toi. Eh oui, tu es pas comme ce gros loser de Rafi qui sert à rien. Je t'encule, toi, Javier. Qu'est-ce que je sers à rien, fils de pute? Tu as porté quoi au gang? Rien. Ben si, je sais c'est qui vend les armes. C'est qui? Ah ouais, c'est qui? Les Harlem, je sais. Parce qu'elle a un Harlem boy. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Oh mon dieu! Pourquoi la voiture? Mec, c'est dans un animé. Ça. Tu sais conduire toi, Rio, un peu ou t'es trop nul? Justement, mon père il était pas très fort en conduite. Mais toi, oui. C'est l'inverse. Vas-y, toi conduis. La tête de ma mère, c'est une bite. Je veux le voir un petit peu. Après, tu m'as pas donné le meilleur des calibres. C'est pas grave. Tu veux qu'on aille où? Je sais pas, en vrai. Pas la voiture. Juste essaye de rouler vite comme ça. Vous voulez qu'on fasse une supérette? C'est le pilote qui fait la voiture. Non, vas-y, nique sa mère, il va nous envoyer une pause. Hey, fils de pute, tu fais quoi là? Je fais quoi?
Les pneus ils sont... Enlève ta main du frein à main. Enlève ta main du frein à main. J'ai pas touché au frein à main. Enlève ta main du frein à main. Ah non, j'ai pas touché au frein à main. Wesh, ouais, oh, oh, oh. Il est fou ce... il est fou ce mec. Regarde, je mets les deux mains en l'air. J'ai rien. Enlève ta main du frein à main, fils de pute. Je te jure, tu touches le frein à main. Arrête, fils de pute. Le frein à main. J'ai rien touché. C'est pas conduire, Rio. Mets tes mains en l'air. Mets tes mains en l'air pour voir. Non mais pas moi. Regarde. Allez. Vas-y. Et roule vite, hermano, accélère. Je suis à fond, je te jure, je suis à fond. Wow. Fils de pute, ah, là, c'est pas fils moi. De pute. Non, je te jure, là c'est pas moi. Là c'est même pas moi. En vrai, y'a personne qui m'a rien donné. C'est moi là. T'es trop nul en conduite, la tête mais tu parles, fils de pute, t'es nul en conduite. T'es nul en tir, t'es nul en drague, t'es nul en tout. T'es nul, t'es nul, t'es un fils nul. La vie de ma mère, je sais mieux conduire que toi, fils de pute. La vie de ma mère, je sais pas mieux conduire que moi. La vie de ma mère. Vas-y, descends, tu verras, je vais pas me taper un poteau. Viens, on prend deux voitures, on fait une course. Le mec a tapé trois murs hier pour sortir d'un endroit. Ah, merci, Raph. Merci, Santi, de rétablir la vérité. De rien, Rio, de rien. Fils de pute, ton père l'incapable. Non, lui, son père, tu peux l'insulter de chien. C'est fils de chien, va. Ton père, le chien, cueille la boîte. Vous êtes tous jaloux de mon père, en fait. Gang de crayon. Vous êtes tous jaloux de mon père. Vous êtes des gros jaloux de mon père. Donc toi, tu fais partie du cartel des crayons. Non, ça, c'était mon oncle. C'était Grand Rio, mon oncle, mon tonton. Elle pue la merde, cette voiture, vraiment. Non, c'est juste toi, t'es nul. Ouais, ouais. Non, elle pue la merde. Il faut se le dire, c'est une voiture bien. Non. T'es nul. Ouais, elle est bien, la voiture. Attends, tu veux prendre la boîte à gants, un truc à voir. Putain, la boîte à gants, elle est devant. Tu fais comment, là? Vas-y, je regarde. Pourquoi ta main, elle part pas? C'est bizarre ça, Rio. Trop pas? Baisse tes mains, Javier, ça y est. Je voulais être sûr. Je voulais être sûr que tu penses pas que c'est moi, hermano, tu comprends? Tu veux faire une supérette? Oh, j'ai une envie là de. Ouais, Oh là là. Fais gaffe, t'as failli crever, hein, juste comme ça, bêtement. Vas-y, conduis. Non, vas-y, conduis. Tiens, non, il veut conduire? Rafi, tu veux conduire? On va où? Rafi, tu conduis, non? On va où? Je ressemble trop à un hipster, Santi. Ah ouais? Oui. Mais du coup, là quoi, on se branle jusqu'à avoir la position ou c'est comment? Ok, et bah, les et gars. Bah, moi, du temps, là maintenant, je vais ouvrir la fenêtre, j'allume une cigarette et je ne parle plus, j'ai plus à te parler. 1, 2, 3, je ne parle plus! C'est bizarre, la fenêtre elle est fermée. Attends, je l'ouvre. Merde, Rio. C'est bon, elle est ouverte. Bonjour. Soir. Descends d'arme, Conan. Toi, tu sors une arme, t'es mort. Sors pas d'arme. Je vais le tuer, t'as compris? Je vais le tuer, je suis énervé. Descends de la moto. Sors la carte du coffre. Descends de ta putain de moto, Conan. Je compte jusqu'à 3, je te tue. 1. 2. Dépêchard. On m'entend? Allô? Vous m'entendez? Quelqu'un m'entend? On s'entend? Oui? Vous m'entendez? Monsieur? 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 Vous m'entendez? Oui? Tu m'entends? Ok. Ok. C'est bon. Descends de la bécane, connard! Non, y'a personne qui va descendre, vous allez bouger, vous allez dégager. Je vais le tuer, t'as compris ou pas? Ouais, bah moi aussi, je vais te tuer. Si tu me tues, je le tuerai avant. Ah, ça je suis pas sûr. Je vais pas lui faire de mal, j'ai besoin de lui parler. Non, on a quelque chose à faire. Non, il va descendre de la moto et il va me suivre. C'est une discussion amicale. Dégage ici, allez, dépêche-toi. Une discussion amicale. Écoute-moi bien, hermano. Toi, lève la tête. Lâche le téléphone, connard. J'ai rien dans les mains. Descends de cette bécane, enculé. Descends. Ou je te défonce devant toi. Mais je vais le tuer aussi, hermano, il va venir avec moi. Il va venir avec moi, je vais te le ramener. Allez, grimpe dans le coffre. Tu le veux quoi? Grimpe dans le coffre. Darius, pointe-le. Mais de quoi? T'as pété les plombs ou quoi? Grimpe. Oui, ben je le pointe depuis tout à l'heure. Mais je vais te tuer en gros, tu es con. Allez, quoi? Arrête, casse-toi, Ravière. Eh oh, hermano, je vais te tuer.
Sergent. Vas-y. Et toi, je vais t'enculer par contre. Allez, grimpe. Allez, grimpe, dépêche-toi, dépêche-toi, grimpe dans le coffre. Grimpe dans le coffre, dépêche-toi. Dépêche-toi. Dépêche-toi, avance. Bon, vraiment, je vais perdre patience. Je vais le tuer. Je te promets que je vais le tuer. Je vais le tuer vraiment. Allez, avance dans ce putain de coffre. Vas-y, Barney, c'est bon, vas-y. Les gars, on va rien lui faire, c'est une discussion amicale. Heureusement, j'ai pas de balle. Hein. Heureusement, j'ai pas de balle. J'ai pas de balle, les mecs. Grimpe dans le coffre, dépêche-toi. Dépêche-toi. Non, laisse la moto, laisse la moto, laisse la moto, laisse la moto. Il y a pas de coffre, il y a pas de coffre, il y a pas de coffre. Il y a un coffre. Si, si, il y a un coffre, t'inquiète. Allez, roule. On vous le ramène. Vas-y, grimpe. Peut-être. Devant. Ah, c'est bon, c'est bon. Du coup, un petit endroit pour discuter. Mais trouver un petit endroit, déjà, fais attention qu'ils nous suivent pas. Vas-y. Et viens, oh, là-bas, là, tu m'entends derrière? Donne-moi ton téléphone, connard. Ouais, ouais. Donne-le-moi, donne. Tu me l'as donné? Ouais, ouais, c'est bon. Super. Si, non, mais si j'avais des balles, j'aurais tiré, vous le savez très bien. J'ai pas de balles. Regarde derrière, je vois pas grand-chose, mais bon. C'est jamais... Merde, oh non, il est pas branché. Mais où il décide d'aller fumer qu'au mauvais moment, sa fils de pute. Ouais. Toi aussi, t'as pris du temps à savoir ce qui se passait. Non, vous êtes pas vif. Mais... je suis parti, je prenais à boire. Attends, il y avait pas un parking par ici. Oui, mon petit Boucho. Ouais, mon petit Ravière, comment ça va? Juste ce que tu m'as demandé. C'est vrai? Oui. Tu sais que je suis trop fatigué, je suis en nuit blanche, mais vas-y. Sérieux? Mais moi, je suis vraiment trop exténué, sa mère. Ah, c'est chaud de la salle de sport, j'en peux plus, je suis à bout. Ok, je t'envoie une position. Descends du coffre, connard. Attends, je vais prévenir le méga et on va t'envoyer une poste plutôt, ok? D'accord. Vas-y. Ah ouais? Ouais. Je vais les prévenir vite fait. Non, viens-toi, pitié. T'es sûr? Oui, en vrai, je suis garé et les bikers, en gros, ils me cherchent un petit peu. Du coup, j'ai une voiture de merde et tout, c'est la merde. Je vais prévenir le méga, on va récupérer ça, bouge pas. Super. Vas-y. Au moins, ils sont là, quoi. Fais pas de trucs bizarres, toi. En gros, on va se rediviser. Ouais, t'as quoi sur toi? C'est maintenant que tu arrives. J'étais là. Putain. Dis-toi connard, j'avais même pas de balle. Merci pour ça. Il fait quoi ce députe là? C'est un biker. Là au moins si tu fais le malin, je pourrais te tirer dessus. Tu sais que heureusement que j'avais pas de balle, hein, Hermano, je t'aurais tiré, hein. Ils ont fait quoi, Rafi? Bah. Ah, l'argent, oh la plata. Il est riche. Percuté, hein. Bah oui, ils allaient faire un truc, vous allez faire quoi là? Actuellement. Ouais, tu nous as dit ouais, on a un truc à faire. Bah ouais, mon sergent il m'a filé des matériaux, il veut que je l'accompagne. T'allais faire quoi avec tout ce matériel là que t'as dans les poches? On allait confectionner des armes à feu. T'en as pour quoi? Longtemps, hein, Javier? Pourquoi? Au pire, vas-y sans moi. Hein. C'est bon? Oui, vas-y. Tu viens avec moi? Attends, rien plus intéressant là. Attends, mais là, t'as pas entendu ce qu'il vient de dire. Oui, t'as entendu ce qu'il a dit, Javier? Vous allez faire des armes, oui. Hein? Ils allaient confectionner des armes. Ok, bah moi je vais vers mon truc et on sera fait. Putain, mais il a pas de truc en titane, ça devait être le barbu, je suis dégoûtard. Je peux prendre la voiture? Prends son arme, va braquer une voiture. Non, surtout pas. Ok, prends la voiture. C'est bon. Super. Vas-y, on se démerdera. Dommage, il a pas de truc en titane. C'est le barbu qui avait le truc en titane? Yes. Oh putain, fais chier, merde. Ça me casse les coronesses, hein. J'aurais pu avoir double dose, sérieux. Pourquoi? Ça fait quoi le titane? En gros, il y a les mecs qui veulent que je l'attrape à lui. Ils voulaient aussi du titane. Et en gros, il m'a dit soit un SOA, soit du titane. Et il y avait l'autre SOA qui... C'était un SOA qui avait du titane sur lui, tu comprends? Ah, putain. Tu sais, on aurait eu le coteau, on aurait pris les deux, en fait. Putain. Oui, fais chier. C'est ouais. Vrai. C'est trop du cul, là. Il préfère fumer. Par contre, il y a beaucoup d'argent là. Il y a quoi, il y a 10 000, 20 000 là, non? Ouais, j'ai pas compté exactement combien il m'a donné. Putain de merde. C'est rare de voir autant d'argent. Tu sais, c'est qui te veut ou pas? Du tout. Vous avez pas d'embrouille avec des gens peut-être? Pas à ma connaissance. Pas à ta connaissance, putain de merde.
On gagne beaucoup d'argent là, Javier, à faire ça. C'est une quête secondaire ça. C'est... est-ce qu'on gagne de l'argent? Pas vraiment. On gagne de la confiance. En fait, j'ai fait une bêtise auprès de certaines personnes et je me pardonne ma bêtise en leur offrant ça, en gros. Mais après, il va me régaler, tu vois, il m'a dit. Donc c'est pour ça. Putain de merde. Comment tu t'appelles, beau gosse? Hein? Oh. Ouais, mon gars, ouais. Barney. J'ai pas compris. Barney McCharles. Barney. Et t'es quoi? T'es un. Attends, il y a marqué sur ton cul. Sons of Anarchy. Mais ouais, t'es quoi? T'es un grand, t'es un petit, t'es quoi? T'es un capitaine? Par favor, réponds-moi par pitié. C'est un capitaine apparemment. Regarde sur son blouson. Oh, tu m'entends quand je te parle ou pas? Moi, je suis road captain. Ouais, voilà, il est road captain. Et c'est quoi ça, road captain? Explique-moi. L'autre, tu disais sergent, c'est ton grand ou c'est ton petit? Ah, c'est, vous m'entendez? Oui, ouais, je t'entends. On t'entend. Mais juste, il répond pas. Allez, okay. Réponds une fois sur deux. Quoi. Oh, Hermano, réveille-toi. Ah. Je pense qu'il a des problèmes. Je crois qu'il bug. Ouais, mon gars, ouais. Oh, connard! Ah. T'es solide, hein, putain. Je crois qu'il bug. Mais Javier, t'es connu toi, tout le monde te connaît. Hein. Oui, Hermano. Merci, Babazuka. C'est qui là, les Sons, tu les connais? Eux, c'est. Non, c'est les SOA, c'est pas les Sons. Si, c'est Sons of Anarchy. Il y a marqué ça dans leur truc. Ouais, c'est la même. C'est bon, tu m'entends, Barney? Okay, c'est bon. Oh. Ouais. Barney. Ah oui, ok, ah. Oui, non. Ok. Il galère. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Oh, mais là, son couteau, je peux lui prendre ou pas? Son cut. Oui, je pense. Mais ça s'achète des couteaux, Hermano, c'est facile, hein. Ben, on n'a pas le contact. Si, truc dans le nord, là, ils vendent des machettes. Et des hachettes, oui. C'est facile d'avoir ça. Oh, mais... Après, couteau, c'est mieux, hein, ça se dissimule bien. Ça plante bien. Je vais prendre ton couteau. C'est décidé. Si j'aurai un coup dans la jugulaire, ça part vite, hein. Un coup de machette dans la jugulaire, ça part vite aussi, hein. Ouais, mais c'est plus léger, un couteau. Ouais, regarde, j'ai quoi. Ah bah voilà, t'as vu. Quoi, tu vas me planter avec, comme tu m'as tiré dessus? Hermano, la prochaine fois qu'on te dira arrête-toi, que tu es braqué contre une arme, tu sauras qu'il faut t'arrêter maintenant. La prochaine fois, faudra crier plus fort pour que j'entende. La prochaine fois, faudra bien observer s'il n'y a pas quelqu'un qui te braque avec une arme. La prochaine fois... Comment tu veux que j'observe? Quoi, je regarde derrière moi avec mes yeux derrière moi? Tu tournes, tu fais des 360 comme ça là. Quoi. Hop, tu regardes. Ah ouais, genre je cours et je me retourne d'un coup. Ok, y'a personne, oui. Vas-y, j'avance. Oui. Je vais devenir parano à force. Mais après, on s'entend pas pareil. Ou c'est moi, je suis fou? Non, je t'entends pareil. Non, j'ai pas l'impression que... Il y a un changement, moi je te dis. Parfois j'entends des gens plus fort, parfois moins fort. En fait, avant quoi, avant, c'était pas pareil. T'aimes bien Grand Theft Auto? Ouais, je suis fan de ce jeu. Il représente notre ville. C'est le seul jeu vidéo qu'ils ont repris notre jeu, notre ville. J'ai hâte qu'il sorte le 5. Le 5, ce serait incroyable. J'imagine, ils font à Los Santos. Bah, ils l'ont déjà fait avec San Andreas. Oui, San mais Andreas c'est le 5 sud. Non, GTA 5. Non, je pense que ce sera pas Los Santos. Ils ont déjà fait Los Santos. À mon avis, ça va être. Vice City. Ils ont fait New York, ils ont déjà fait Vice City. Non, ça va être Chicago, à mon avis, le 5. Chicago, peut-être. Après, c'est nul, Chicago. Et c'est qui là que t'as appelé? Maintenant qui. C'est Gustavo de Marequenas. C'est un orga. Un cartel. Quoi, c'est. Okay. C'est aussi des favelas? Non, merci, Demon. Merci, mon frère Bélix. Non, je sais pas. En gros, un jour, j'ai volé leur voiture et ils m'ont fait la misère. Ils m'ont dit, tu nous trouves un cuir ou titane. Merci beaucoup, okay. Demon. Okay. Merci, mon frère. Les gars, je pense que vous l'avez frappé beaucoup trop fort là. Non, pourtant non. Regardez, il est encore par terre. Putain, mais s'ils fabriquent des armes, ça veut dire qu'ils en vendent. Non, ils comptent venir, Javier. SOA
Je crois que c'est eux les vendeurs d'armes malheureusement. Okay. Et si on turn? Il y a une voiture qui est rentrée. Super. On turn. On turn? La chose. Ouais. Ben, faut voir ce qu'ils ont proposé eux. En gros, eux, s'ils nous proposent la merde, on dit aux Suns que c'est eux qui nous ont envoyé. Oui. Et les Suns. Voilà. Oui, Gugus. Premier étage. Vas-y, c'est bon. Parfait. On t'a vu, je crois. J'ai Tinder, moi. Ah oui, j'ai Tinder, c'est vrai. Wesh. Ils sont venus en 4x4, ils étaient là. Mais ils sont partis de l'autre côté, je pense. Ah, ah, ils sont là. Oh. Oh. Mais wesh. Non, mais ça, c'est des fakes, hein. C'est des, ça, c'est des meufs, elles existent pas. Hein. C'est des mecs qui ont fait ça. Monsieur, bonsoir. 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 Il est là, il est par terre. Là, on l'a trop tabassé, on lui a fait la misère. Mm-hmm. On l'a frappé un peu trop fort. T'as vu, c'est pas des lol. Je te l'ai dit que c'était pas des lol ou pas. C'est vraiment pas des lol. Là, tu me. Comment ça va, Ravir? Ça va, Gugus? Ça va. Oui, ça va super. On les a croisés, on roulait pépère comme ça. Il y a deux bikers, putain. Je suis désolé, il y avait Barney et il y avait le barbu. Et j'ai oublié que vous m'avez demandé absolument le barbu. Bah oui, on t'a demandé. Oh, ouais, c'est pas grave. Il a du matériel sur lui. C'est déjà bien quand même, non? Exactement. Oui, du matériel. Mais il a pas le titane. Il a pas le titane, Hermano. Oh, il a des sous. Oh là là, il a des sous. Ah. Il a des sous. Oh, il a des sous. Attends, j'ai vérifié. Vas-y, viens avec moi. Là. Ah oui, j'arrive. Oh lolo, j'attends, mais j'ai pas vu encore. Tu veux un petit truc pour ça? Bien sûr. Tu veux quoi? J'aimerais bien avoir des armes si possible. Écoute, tu vois, nous, je te. Voilà, tu vois le mec à la cagoule verte? Lui là? C'est le chef, tu vois lui. D'accord, bonjour, enchanté monsieur. On est en train de taffer un peu là-dessus. Ça va? Oui, ça va super, et vous? Ça va. Assez content de toi là, du coup, je vais te l'avouer. Merci, comment tu t'appelles? André Emilio Taronet. Ah oui, tu donnes tout, toi. Enchanté, André Emilio Taronet. Comment ça? Ben, je pensais que c'était un peu mystérieux ou quoi, mais... Je suis pas mystérieux, moi, loin de là. D'accord. Donc, Ravier, on travaille dessus en ce moment, c'est un peu compliqué aussi. C'est pour ça que là, on t'a demandé ça, ça va nous servir, quoi, moi. Oui. Et sache qu'en tout cas, t'es dans nos priorités si on a du stock qui se débloque ou si on a des armes qui arrivent. Ah, vous aussi, vous faites des armes? Non, justement. On n'en fait pas spécialement, c'est pas notre business, mais... Que Ravier a fait, ça va bien nous aider à les avoir. Voilà, c'est ça. Vous avez pas un kit de réparation, s'il vous plaît, les mecs? Non. Non. Désolé, on n'est pas mécanicien. On va prendre, mais là, vous pouvez peut-être me passer une arme de vos stocks à vous, peut-être Là, ça va être compliqué. En fait, tu veux quoi comme type d'arme exactement? Un pétard, n'importe. Pétoir et tout, ça t'intéresse pas? Pétoir, bah si vous avez que ça, mais je préfère le déglock. Vraiment, c'est chaud pour d'accord. Moi aussi. Pétoir, je peux essayer de te débloquer ça, Ravière. Je peux essayer d'avoir un pétoir, peut-être. Par contre, Glock et au-dessus, ça va être un peu chaud. Sinon, fais-toi plaisir, on prend son pétoir si tu veux. Vous allez déjà le racketter beaucoup. Ouais, mais... Non, si tu prends son pétoir, on va pas le racketter du tout. Parce qu'en gros, là, d'après ce que j'ai compris, c'est des vendeurs d'armes et on les a braqués à visage découvert. Donc ils vont nous enculer. Oui, ils vont nous enculer et en plus, on pourra pas leur acheter d'armes parce qu'on les a braqués. Écoute, sache-le, ok? Oui. Si on est là, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils veulent en vendre à personne. D'accord, mais pourquoi ils allaient en fabriquer si jamais ils... Ah, ils allaient en fabriquer là ou pas? Oui. Bah oui, tu vois bien tout le matos qu'il a sur lui. Putain, j'ai bien fait attention. Oh lolo, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Écoute, si tu veux lui prendre son pétoir, si tu peux, on s'occupera de pas lui prendre du flic ou quoi, ok? Ok, je vais juste lui prendre ses munitions, je pense. Ça marche. Attends, mais vous voulez pas récupérer son matos, vous? Non, on va... Son arme, on s'en fout. Mais si jamais on peut... Son arme plus tout ce qu'il a sur lui. Ouais, ça, on va voir un peu comment on va faire. De toute façon, écoute, dans tous les cas, moi je vais voir pour ton PC, je vais me renseigner là si je peux t'en choper un et on se tient encore. Je préfère comme ça. On fait comme ça. Au pire, moi je lui prends ses munitions là. Ok, vas-y, okay. On fait comme ça. D'accord, pas mal. Merci. Il a pris son couteau. Et vous inquiétez pas. Du coup, vous allez. Ok, bon. Vous vous débrouillez. Un truc, je pense à vous. Bonjour le Barney. C'est parfait ça. Barney. Oui. Je suis désolé, je vais te prendre tes munitions, c'est ma paye. J'espère que tu es fier. Y'a pas de soucis. Après, Barney, nous en veut pas. Non, nous en veut pas, Barney, je suis vraiment désolé. Pas, Barney. Barney, dis-toi que t'as contribué à quelque chose de bien. Salut les gars. Au revoir, Barney. Au revoir. Salut. Venez. Vas-y, embarquez le venin, on bouge vite. Aïe. Les soldats!
Incroyable. Il veut pas de ça de la voiture. Tu restes, bah, tu restes avec nous. Ok, tu restes pas avec nous du coup. Oui, bon, en fait, c'est la merde parce que du coup, c'est eux qui vendent des armes. Ouais. Et si on turn là maintenant? Non, 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 les SO... Non, 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 je déteste trop les bikers. Tu détestes les bikers, toi? Oui, je déteste tous les bikers du monde. Ok. À cause de mon père, il est mort. Attends. Quoi? Et si on allait voir les Harlem là maintenant, on leur disait ce qu'on veut te faire et que, en gros, les tarons, les Mexicains là, oui. ils veulent récupérer le business d'armes, ils ont passé, peut-être qu'on va grind et qu'ils vont vouloir nous vendre une arme. Allô? Allô, bonsoir, Javier. Bonsoir, qui est à l'appareil? Pas sûr, Thomas Wilson, le président des Suns. Connard de biker! À cause de vous, mon père, il est mort! Ah, il a déjà raccroché. Ah non, en fait, il a cru que t'as raccroché. Non, il y a Gustavo qui me rappelle. Oui, Gugus. Ouais, dis-moi, la bière. Là, t'as vu, je discute avec mon chef. En fait, ça me fait chier de pas te payer, là, tu vois. Là, ça me fait chier que tu reparles sans rien. Ah oui, je comprends, merci. Est-ce que tu serais pas intéressé plutôt qu'on paye avec de la cam, un peu de stock, on commence à payer. Oui, pourquoi c'est pas. C'est de la meute, c'est ouais. Quoi comme, ouais. C'est quoi comme cam? C'est de la blanche, la neige, la pure. Tu m'en passes combien? Tu les as chopés. Si tu me donnes la poste, tu les as chopés où? Tu repars avec un bon petit stock. Où je les ai attrapés? Oui, bien sûr. Je vais te dire où je les ai attrapés. Je vais t'envoyer la poste de là où je les ai attrapés et dans quelle direction ils allaient. Ok, t'aimerais combien pour ça? Dis-moi. J'aimerais 100. Ok, bah tu prendras la 200 dans ce cas. Je prendrai 200, quoi? Exactement, la vierge. Alors envoie-moi cette putain de poste. Je t'envoie la position, Gugus. J'ai misé sur le bon cheval. Okay, 24 000 $, incroyable. Je les ai chopés ici. Là devant, c'était. Ouais, juste devant là, droit devant. Rappelle Thomas, par pitié. Je vais les rappeler, attends. Et ils allaient vers la gauche. Et vous avez une mémoire de fils de pute, par contre, là. Ça me choque. Il y a encore sa moto, là. Ah, il y a sa moto, ils sont là. Il est là, Gugus. J'ai entendu un mec. En face, il y a un biker, là, encore. Ah oui? Passé. En face, de, bon, droit ça, devant, il y a un biker, là. C'est pas grave. Attends, je rappelle Thomas. Ah ben là, je sais pas pourquoi, mais je sens une descente de SOA. Oui, excuse-moi, pardon, il y avait les ravisseurs de Bradley qui me rappelaient. Les ravisseurs de Bradley, c'est quoi cette histoire hein? Eh oui, connard du croix, c'est moi. Mets le haut-parleur. Il y a le haut-parleur, non? Là, ah, c'est non, bon, non. Tu entends, là? Vas-y, parle, Thomas. Oui, bonsoir. Super, oui, connard de biker, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pourquoi connard de biker? Qu'est-ce que t'as contre moi? À cause de vous, mon père, il est mort. Je connais même pas ton père. Hein. C'est pareil, vous êtes tous les mêmes, connard. Non, on a rien à voir, non. Oui, t'as rien à voir. Quel biker qui s'occupait de ton père là? C'est quel biker qui s'occupait de mon père? Je sais pas, c'est des bikers. Bonne question. Biker, y en a plein, y'a plein de clubs. Regarde, rien que sur San Andreas, y'a des Suns, des Lost et des Sicarios. Hein. Qu'est-ce que tu me veux? Et comment tu as eu mon numéro de téléphone? Bah, j'ai demandé à des contacts. Hein. Ah oui, c'est qui? Je donne pas une source. Hein. Eh ben moi non plus, je donnerai pas ma source de là où je détiens Bradley. Ok, c'est un mec de Ganton qui m'a donné ton numéro. D'accord, super. Écoute Hermano, oui. Je veux bien te le rendre si tu me vends des armes. Mais j'aimerais bien savoir qui t'es en fait, parce que les Rocinas disent que tu fais pas partie de leur truc. Je suis un Rocina. Ils disent que non, eux. T'as dit quoi? Ils disent que non, et moi je fais du business déjà avec les Rocinas. C'est des menteurs. C'est l'Harlem. C'est des menteurs, je suis un Rocina. Il n'y a pas moyen qu'on se voit, déjà que je vois que mon mec se porte bien, on discute comme des hommes, tu me traites pas de connard de biker, je te traite pas de connard écoute-moi de brésilien. Écoute-moi bien, connard de biker. Oui, je t'écoute. Hein. Ton homme, je l'ai plus, je l'ai livré. Tu l'as livré à qui? Je l'ai livré à des gens qui vont le touar. Alors tu me demandes de te vendre des armes et tu livres un de mes frères qui va se faire buter. Tu peux le considérer... marche sur la tête, hein. Tu peux le considérer comme un homme mort, il est déjà mort, je l'ai vu de mes yeux, il a pris 2 balles dans la tête. Mais c'est toi qui vas mourir, enculé de merde. C'est pas moi, je suis juste un Uber. J'en ai rien à foutre de ton putain d'Uber. Si tu bosses pour les mecs qui vont buter les mecs de chez moi, je vais te buter, connard. C'est pas, ils l'ont déjà butard, il est mort. Alors toi, je sais pas ce que tu cherches, mais tu vas le trouver, et bien sincèrement. Je vais trouver ta bite, connard. Eh ben viens chercher, viens. Il est mort, Bradley, il est mort. Il est mort, attends, regarde, je prends son cadavre là. C'est Barnley. Ah, je tape dans son cadavre. Oh, je prends un os.
je casse. Mais tu viens de dire que tu l'as livré, donc t'es. Oui, je suis revenu, j'ai fait demi-tour, j'ai fait demi-tour. Regarde, je prends deux doigts et je les enfonce. Mais tu te fous de ma gueule, enfoiré de merde. Je les enfonce dans son trou de balle, de la balle, pas son cul, hein. La balle de là où ça lui a tiré dans la tête. J'enfonce mes doigts dedans. T'es un sacré dégueulasse. Voilà ce que t'es, un sacré. Javier, c'est le vendeur d'armes, fils de pute. Je m'en fous. Il y a d'autres vendeurs d'armes, hein, parce que là. Écoute, il faut qu'on all-in sur les maracas, et comme ça au moins, eux ils vendent des armes et après on est bien. Mais là, pour le moment, ils ont même pas le labo encore. Ben, ils vont y arriver. De toute façon, on a plus le choix, hermano. Quoi, tu... Ah, Harlem. On fait quoi? Appelez Rio. On plante des bikers jusqu'à ce qu'ils arrivent au truc, ou... Appelez Rio, demande-lui où il est. Attends, je rappelle. Rio. Le maître de la science. Bon, allô? Au moins j'ai des balles maintenant. Allô, ouais. Ouais, t'es où? Ok, parce que on s'est un peu mis dans la merde, mais c'est pour la bonne cause. Mais moi, les soirs, je les aime bien, moi. C'est pour la bonne cause. Tu comprendras tout après. Tu peux pas aimer les tueurs de mon père. Non, c'est pas les tueurs. Faut pas. Vas-y, tu m'appelles. Là, t'as le syndrome du raciste. Oui. Tu mets tout le monde dans le même pot. Je suis raciste, exactement, oui. Ok. Je suis raciste des bikers. Eh ben, viens, on fait un truc. On est malin. Moi, je dis, je suis ton ami et j'essaye de faire croire que. Comme ça, moi, pour le moins, il ne casse pas les couilles. Tu imagines, là, maintenant, il vient nous tirer dessus au quartier. On a même pas fait dans son corps. Oh, mais putain. Si seulement tu les avais braqués mais qu'ils nous avaient pas vu les deux autres là, les deux autres bikers, on aurait quand même pu acheter des armes. Je pense pas qu'ils retiennent ta tête, hein. Si. Ils t'ont vu une fois du coin de l'œil, je pense pas, hermano. Moi je te dis, viens, on va faire un rendez-vous, et toi tu te caches, je parle avec eux. Oui, je connais Javier, c'est mon ami, t'inquiète pas. Et au moins, juste, ils nous tirent pas dessus pour le moment. Après, on peut envoyer Rio, hein. Rio, ils l'ont pas vu. Ouais, Javier. Oui, Fabio. Il y a Soledad et tout. Oh, ça part en couille. T'es où? Qu'est-ce qui se passe, hermano? Discours du gouverneur, ça part en coup de sa grand-mère. Ah merde. Moi, je suis dans la merde, Fabio, j'ai besoin de toi. Mais le haut-parleur. Dis quoi, Javier? Je suis dans la merde, Fabio, j'ai besoin de toi. Pourquoi encore? J'ai tué un SOA. Non. Non, s'il te plaît. Si, arrête. Hermano, et j'ai revendiqué Rokina. Non, j'entends pas, ça a bugué, je l'ai pas entendu, Javier. Je te rappelle, Javier, j'ai pas entendu. Si. T'as vu comment les gens ils se chient dessus de lui? On se réconcilie par pitié. Non, on se réconcilie pas, hermano. Javier, ton frère. Double jeu. Non, moi je déteste les bikers, je me tiens à mes valeurs. Il est où, Rio? Au pire. Ok, mais toi tu parles pas, c'est moi qui parle. Ils sont en train de regarder le labo, comment ça marche et tout. Arrête de vouloir tout le temps être ami avec tout le monde. Il nous faut des ennemis. Nos ennemis, ça sera les SOA. Les vendeurs d'armes, fils de pute. Oui. Mais tu parles. Oh là. Ça sera eux. Ça sera eux. Plus, ça va faire au moins des alliés. Ou trouver un intermédiaire. En plus, vraiment, Javier, hein, t'as pas choisi les mecs avec qui on aura un peu de difficulté. Ils ont l'air cool, hein. Tu lui as mis un doigt dans le trou et t'as dit t'es dégueulasse, hermano. Hein. T'as vraiment pas pris quelqu'un de méchant. Oui, Rio. Ouais, vous êtes où? Toi, tu es où? Dans la merde. Donc, ça y est, on a fini là. On a Sandy Charles, on descend dans le sud. Ok, tu as une de quoi faire pousser là? Non, il faut qu'on achète tout. Ok, ben vas-y, ben c'est où la première étape pour acheter des trucs? Première étape, faut qu'on aille au LTD des Hoover. Ok, ben rendez-vous au LTD des Hoover, d'accord? Vas-y, on arrive. Super. T'as de la plata? Oui, j'ai un peu. J'ai 800. Je sais pas si ça va suffire. Attends, je vais prendre plus. Il a dit, mais t'es qu'un gros dégueulasse. Non, en vrai, vu la situation, on pourrait essayer de trouver un intermédiaire pour. Il y a pas d'intermédiaire. Moi, je. Oui, voilà. Non, oui. Ben oui, ouais, exactement. Pour acheter les armes, pas pour. Pas pour leur parler. Pour leur parler ou quoi. Ouais, pour acheter les armes. Hermano, on va. Et là, t'as mis dans la merde les Rosinia, ça. Les Rokina, oui. Ben là, rappelle Thomas et dis-lui. En gros, fais-toi passer encore plus pour les Rosinia là. Parce que là, okay, là. Fabio, il va l'appeler, il va lui dire, c'est plus. Il dit lui, il vient t'appeler, il va te dire ça. Tu sais, tu joues un truc comme ça. Et tu lui dis, ouais, de toute façon, j'habite au favela, c'est imprenable. Oui, faire du tout. Allô? Au parleur. Oui, Thomas. Oui, Javier. En fait, ça m'énerve parce que Fabio, il m'a envoyé faire une mission et maintenant, il se dégonfle. Ah, c'est Fabio qui l'a envoyé? Ben oui. La gueule du monde, lui. Ben oui, c'est pour ça. Et maintenant, moi, je lui ai dit, ben je l'ai fait. Et il m'a dit, oh bah tu te débrouilles avec eux, c'était un prank, machin, un truc, je sais pas quoi. Genre en mode,
en mode bizarre. Du coup, moi, je me suis embrouillé avec lui, je lui ai insulté sa mère. Si jamais tu veux t'en prendre à quelqu'un, c'est bien à lui. Il veut faire le mec qui nie en mode oui, c'est pas nous. Alors que c'est lui. Ah, le problème, c'est que prank ou pas, dès lors que tu t'attaques à un sons, il y a moyen ou qu'on discute. Hein. Là, tu fais de la merde. Il y a un moment donné où il va falloir assumer la conséquence de ses actes, Ravier. Oui, oui, mais je veux te dire que tu peux t'en prendre à moi si tu veux. Et moi, c'est Fabio qui m'a missionné. J'ai fait Ne m'envoie pas me faire foutre alors que j'essaie de récupérer mon gars, bordel de merde. Ben, faut que tu vois avec Fabio, moi je suis déjà plus avec lui. Mon gars va bien. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Il faut que tu demandes à Fabio. Et le truc, c'est que Fabio, il a trop peur de toi. Tu vois ? Il a trop peur de toi. Du coup, il voulait faire croire. En gros, regarde son plan, ce petit plan de bâtard. Il voulait faire genre. Oui, c'est Ravier qui l'a kidnappé tout seul pour que tu t'en prennes que à moi et que tu t'en prennes pas à lui. Je vois. Tu vois ? Mais mon mec, tu l'as livré à qui en fait dans cette histoire ? Je l'ai livré à Fabio. J'ai vu Fabio, il l'a livré Fabio à Fabio me dit personnes. Qu'il est pas au courant. Oui, c'est un menteur pour qui il a peur. Lui en gros, il voulait pas revendiquer. Lui, il voulait faire un truc Anonymous. Moi j'ai dit non, on revendique. C'est dommage parce qu'on a on fait pas mal de business avec le Rokina sur plein de trucs. Hein. Ah oui, c'est pour ça je pense qu'il voulait pas revendiquer. Lui, je crois, en gros, je crois que Fabio, il veut se mettre avant des armes. Et une sacrée gueule, il m'en aurait parlé quand même. Ben non, parce que tu as le monopole, hermano. Oui et non, mais enfin c'est ça se discute. Hein. Demande-lui une arme, bref, qu'on va venger. Bref, oh, demande-lui une arme. Bref, c'est ton dos. Qui nous suit, là. C'est ton dos, hermano. Bon. Le problème, c'est qu'après, Zepek, il me dit exactement que tu ne fais pas partie d'eux et que tu agis en freelance. Hein. Oui, je suis en freelance. Oui, je suis free agent. Oui. Oui, bien sûr. Ah oui, ce qu'il m'a dit, il a rien à voir avec nous, il vit juste là, on sait pas qui c'est ce mec, il est bizarre. Moi, je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Alors pourquoi Zepek me dit que t'es un mec chelou ? Ben, pourquoi ? Il te dit qu'il se dégonfle. Aïe. Parce que là, selon toi, exactement, t'as livré mon mec à Fabio, c'est ça hein. Oui. Donc là, si je pointe un gun sur la tête de Fabio et qu'il me dit noir sur blanc que c'est pas lui, je peux le buter, on est d'accord, parce qu'il me ment. Bah oui, hein. Ok, les gars, butez-le. Alors là... Butez-le, tirez-lui dessus, maintenant. On a découvert un truc de fou malade. Deux balles dans la jambe, là. Oui. Donc c'est on a besoin de vous. Vas-y cousin. Mais on vient vous acheter des trucs là. Attends, il me braque là. Attends, je me fais braquer par les ouverts. Attends, pour la 8ème fois. Les gars, on doit acheter s'il vous plaît. On a besoin de vous. Il y en a un qui peut nous vendre. Mais il me braque. Attends, tiens, prends mon argent. Après, comme ça, tu vas acheter tout seul. Mais attends, mais on a besoin d'eux pour acheter parce que c'est chez eux. Oui, je vais t'appeler quelqu'un. C'est le braquage journalier. Hebdomadaire. Attends, je te prends l'argent. Attends, ok. Il me braque une fois par jour. On verra si on se revoit après. Oui, mais attends, j'attends qu'il monte d'abord, sinon je vais monter devant. Monte, passe à l'arrière gentiment. Oui. Et on récupère quand ? On voit tes défauts là, t'inquiète pas. Y'a un mec qui va venir, c'est bon, je l'ai bipé. Et on voit tes chargeurs là, tout ça. Oui, tiens, hermano, tiens. Bipé Meli, allez, LTD, y'a des clients. Vas-y, merci. Mais n'y va pas seul. C'est mon braquage préféré de la journée quand c'est vous. Ah ouais ? Je pense que là, tu vas pas être au top là. Bonsoir, tu es où ? Ok, viens derrière YouTube. Oh merde. Comment ça va, Ravier, aujourd'hui ? Ça va et vous, l'hermano ? T'as fait quoi hier ? Attendez, arrêtez-vous deux secondes, je vais vomir, je crois. Je m'arrête la fenêtre ? Non, je m'arrête pas, là, de même, merde. Vomis sur toi. C'est pas grave, je nettoie, c'est un fou, lui, il veut courir. Non, je veux pas courir. Si, ah ouais. Je veux courir. Il va courir, la honte de Dieu, il veut courir, lui. C'était qui avec toi, Ravier ? Tu m'as dit quoi ? C'était qui avec toi là, les gars ? Les Rokina. Les Rokina ? Quoi ? Ils étaient pas chez eux avant, si eux ? Ben des fois on peut sortir. C'est quoi ton projet là, Javier ? C'est quoi ton projet ? C'est-à-dire depuis la plage, on vous suit, vous avez même pas fait attention. Non, Herbado. Si, si, à la plage, on vous a vu que vous nous suiviez, si. Oui, bah on vous a suivi, nous on va pas venir te mettre la pression, on attend juste que tu pètes. Bah, je t'arrête bêtement. Bah après je m'en foutais, je vous ai vu me suivre, je me suis dit bon au pire quelqu'un me kidnappe hein. T'aurais pu t'arrêter. T'as l'habitude. Ouais. En plus je vous avais vu et tout, j'avais bien vu que c'était vous. T'as combien d'argent là sur toi ? J'ai zéro. Zéro. Il va lui donner pour okay. LTD. T'as ton... du coup vu qu'on a ton pétard, t'as quoi d'autre sur toi ? J'ai un clan d'arrêt. Quand t'arrêtes près de lui. Ah passe-moi-le là, passe-moi. Ah range ton téléphone, range ton téléphone. Qui ? Moi ? Ah merde. Ah merde, non, ok. Vas-y. Tiens, Cities, mets-le dans la boîte à gants, je me prends d'arrêt. Merci.
ça craint pour mon matricule. Comme par hasard. Comme par hasard quoi? T'inquiète, t'inquiète. Je tire le frein à main! Ta mère, pardon. C'est bon, j'arrête. Arrête. Ma mère, il a fait niquer le véhicule, ce chien. Attache-lui les mains, Tiens, mets ça là. Tiens, mets ma cagoule sur ton visage là, moi tu vois rien. Non, je me débats. Je mets des coups de tête, je mets des coups de tête. Aïe. Coups de tête encore. J'ai tapé mon coup, j'ai pris l'électricité, ça me casse les couilles. Vas-y, attache-lui les mains. Ça m'a fait un coup de jus. Mets-lui sa ceinture. Aïe putain, j'ai trop niqué mon coude. Mon coude? Oui, j'ai pris l'électricité. Voilà. Donc je suis plus long, le slash me. Calme-toi, mec. Je te mets des petites PC là. Arrête, comment arrête, on fait maintenant? Tu me mets des PC. Je te mets des petites claques. Pourquoi des petites PC là? Je sais pas. Arrête! Codard! Eh, écoute, regarde, tu vas détacher la ceinture là, cours pas. Hein. Oui, cours, ça sent bien. Non, t'es sans. T'es mignon toi hein. Pourquoi? Je t'en enculé, va te mettre là-bas. C'est quoi c'est, oui. T'as eu cours Ravier, je te jure, j'hésiterai pas à t'allumer hein. D'accord. Là je vois t'as pas de gilet pare-balles, je vais t'éteindre en deux balles. Attends, bouge pas. Je t'en enculé, va. Tu mets des gilets pare-balles toi? Oui. Ah mais là, mais il veut pas s'arrêter. Tu sais que tu nous as fait perdre un pétard, j'ai envie de prendre le tien là. Non j'en ai qu'un, un seul et unique. Mais oui, mais tu nous as fait perdre un pétard. Arrête de me prendre des balles, me prenez pas des balles, j'en ai plus. Écoute, ferme-la. C'est tout ce qui me reste. Ça t'invite de faire des conneries. J'en ai pris 22. Tiens. Moi je n'ai pris que 2. Attends. Je prends tes chargeurs là. Mais tu sais que tu nous as fait perdre un pétard. Hein. Je suis descendu, je t'ai fait des pneus, t'as rafalé un mec de chez moi. Hermano. Oh merde. Ah ouais, cousin. Écoute, le mieux, tu sais, c'est quoi? Je prends ton pétard. Parce que oui, tu sais, tu vas finir dans le coma. Tu veux le perdre le pétard ou tu veux qu'on le garde nous au chaud? Enlève tes sales pattes, connard. Attends, Darius m'appelle. Salut. Ouais, Darius. Putain, t'as vraiment ramené ces connards de biker. Il a pris une balle dans le genou à cause de ce fils de pute, c'est ça que t'es occupé de dire? Attends, je te mets le haut-parleur comme ça. Attends. Ok. Voilà, arrête! Non. Oui, tout de suite. Hein. Vas-y, parfait, je te remercie. Oui, c'est bon, comme ça on chope ces fils de pute et on prend gain de cause. Je peux tout vous expliquer. Ouais. Tu vois. On voit la pause ou pas? Non. Écoute, Darius, attends, un instant, s'il te plaît, Ravier. Darius s'occupe justement des fils de pute auxquels notre ami Ravier a livré notre gars. Comme ça on aura gain de cause et puis on va faire la même chose qu'ils ont fait à notre gars. Oui, mais j'ai appelé quelqu'un qui devait venir. Oh. Oui, bah lui, vous avez buté qui? Vous avez buté venir. Je lui envoie la pause. Vous avez buté qui? Des Mexicains de merde qui font chier. Ah. Qui c'est Mexicain? Je t'en dirai plus tard. Ok. Hermano, écoutez, c'est pas la peine de me tuer. Si ta vous... gueule. Oh. Je peux avoir mon argent et je peux partir? Je t'enverrai un mec pour le paiement. Non, j'ai l'argent. Ah, t'as l'argent? Bah parfait. Et Hermano, tu vois, je vais dire un truc. C'est pas un dash, c'est marrant. C'est pas la peine de me tuer, je vous dirai tout. Attends. Oui, il était au téléphone, j'ai entendu, il a dit ouais, je me fais péter par les ouvriers. Oui, mais t'as téléphoné avec moi. Oui, je sais. Oui. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir, les ouvriers. On va se revoir s'il me tue pas. Ouais, J'espère pour vous qu'il me tue, les ouvriers. J'espère que je suis un homme mort, sinon c'est vous. C'est moi ou vous, là. Ce soir, notre destin se joue. S'il me tue pas, c'est vous qui êtes mort. Je rigolais. Je rigolais pas, les ouvriers, vous êtes morts. Pardon. J'étais feinté, hein. Je pensais que j'allais rentrer dans le véhicule. Bon. Connard de ouvert. C'est bon, arrête. On peut commencer à discuter, Ravier. Bonjour, les bikers. Alors, hola. On est les Sons. Salut. Voilà. Je m'appelle Thomas. T'as le loup à ma côté. Chantal. Et la demoiselle, qui est belle comme un astre, c'est Béa. Un astre, allez, belle comme un astre, va pas plus loin. Un astéroïde peut-être. Un astre. Attends, Barney m'appelle, putain, le mec que t'as kidnappé, incroyable. Un astéroïde de glace. Ouais, gros, enfoiré de merde. Tout petit. Bonsoir, je pensais que c'était mon frère. Culotard, vraiment. Putain. C'est trop beau. Non.
Bah écoutez, dès lors que vous avez un mec à moi et que vous lui tirez dessus, forcément c'est problématique, ouais. Putain, les bâtards, il y en a un, il a dit c'est un désastre. Ah, je vous écoute. Bah, je sais pas. Mais j'en ai pas en fait, je peux pas le chier. Vraiment, je n'en ai zéro. Je suis beau gosse. Mais qu'est-ce que vous voulez, bordel? Franchement, non. Ça fait 6 mois et demi, on n'a pas de nouvelles de vous. Vous me pétez un mec avec un espèce de trou de balle. Hein. Pour une personne de développement, je la tiens. J'ai pas compris. Ah, range ton téléphone. Range ton téléphone. Ouais, raccroche. Oh, oh, oh. Bon, je me fais braquer par le fils de pute. Oui, raccroche. Je veux raccrocher. Oh. Ok. Haha. Lève tes mains. Mets tes mains en évidence, connard. Tu m'as volé mon gun. Je l'avais dans les mains. Ben oui, je l'ai arraché. Il fallait être plus vif. Qu'est-ce que vous me voulez, les bikers? Qu'est-ce que vous nous, me voulez? Ce qu'on veut, c'est des réponses à nos questions. Tu sais qui c'est qui m'appelle là? C'est le ravisseur de Barney. Si je réponds, tu es mort. Eh ben, ne réponds pas. Ok, je réponds pas. Ne me regarde pas, tu vas me refaire pareil. Ne me regarde pas. Ok, je ne regarde pas. Ok, tu veux quoi comme réponse? Quoi, tu bosses pour les Manizales, hein? Ok, je vais baisser mon arme, d'accord? Comme ça, on va discuter comme de gens normaux à gens normaux. Oui. Mais c'est pour ça qu'on est là. C'est ce qui était prévu. Oui, oui, vous alliez me touar. Non, on n'allait pas te buter. Ok. Baissez vos mains. Baissez vos mains, mais si j'envoie un sorti d'une arme ou que je vois quelqu'un qui met sa main dans une poche, range le couteau. Ben oui, mais je ne l'ai pas sorti volontairement. Regarde, mes mains, j'ai mis là, sur mes hanches. Voilà. Oui. Ouais, oui, Hermano. Bon, ça va? Oui, ça va et toi? J'ai encore mon pétard dans les mains, Allô. Je peux faire les deux choses en même temps, hein. Oui, ça... Allô. Oui, tu m'entends? Tu m'avais presque manqué, mais j'ai cru que t'avais des bonnes nouvelles pour moi de ce qu'on m'a dit au téléphone. Attends, ça... Oui, pour quelle bonne nouvelle? J'étais au téléphone avec le président, là, des soi. Oui. Okay, en pleine négociation, il m'a dit que t'étais en train de les braquer, donc on va augmenter un peu les quantités de cam, je crois, à la vierge, tous les deux, hein. Attends, d'abord je négocie avec lui pour voir ce qu'il a me proposé, d'accord, Gugu? Écoute, il va parler de négociation, ça sert à rien. Ok, attends, je te rappelle, d'accord. Je suis dans une position de force. Baiser, hein. Ouf, il m'a appelé, il m'a dit, apparemment tu l'étais en otage. Et tu sais ce qu'il veut me proposer pour que je vous livre à lui, qui veut vous toi? Il a rien. C'est vrai, il a rien. Il ne proposera rien parce qu'il a rien que tu puisses lui donner. Et il n'a rien. Il a rien. Le mec, c'est un fantôme. Oui, c'est un fantôme. Il n'a rien. Il est venu avec des treillis militaires, écoute, et des gros gilets pare-balles. Oui, mais il avait rien dans ses mains. Range. Donc il te donnera rien. Et c'est pour ça qu'il a tapé un mec de chez moi, c'est parce qu'il veut un truc. Il veut quoi? Voilà. Il veut un truc que j'ai pas. Donc je peux pas le chier. Et c'est ça qu'il a du mal à comprendre. Et il peut taper autant de mes mecs tous les jours s'il veut, je n'ai pas ce qu'il désire. Donc au final... que tu puisses avoir quoi que ce soit ou quoi, il ne te donnera rien parce qu'il n'a rien. C'est qui ça? Tes amis. C'est mes amis à moi? Oui. Tes amis. Ah. Oh non, mon dieu. Ton pique. Ok, que personne ne fasse de gestes brusques ou je les tue. Range ton arme, Zepec. Qu'est-ce qu'il y a? Range ton arme. Rangez vos armes. Je vais les tuer. Attends, mais Javier, mais qu'est-ce qui se passe là? Moi, tu les tues, je m'en bats les couilles, Hermon. Tu me parles de quoi là? Ah oui? Attends, vas-y, prenez vos armes. En fait, je sais pas, je savais pas dans quel but vous êtes venu. Attends, mais Javier, t'as pété les plombs. Il voulait. Ah ouais, je les bute? Mais moi, j'en ai rien à foutre que tu les butes tellement. En fait, attendez, les Hermanos, c'est. Ouh là là, c'est un vrai. Qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas. Là. C'est une longue histoire, hein. Mais qu'est-ce que tu nous fais là, Javier? Allez, là allez. Non, attends. C'est vraiment important ce qui se passe. Explique-nous. En gros. Oh mon dieu. Qu'est-ce que ça fait, bordel? Ça fait Javier encore. Ok, vous partez de Rokina, ça va aller. Normalement, il n'y a pas besoin de vous. C'est lui qui vous a demandé de venir. Ben moi, oui, pour avoir des réponses. Moi, c'est bien sûr. Ok. Ouais. Bon. Dès lors que toi, tu nous dis que t'es un Rokina, que lui me dit que tu n'as rien à voir et que tu braques des mecs de chez moi en leur nom, forcément, ça les concerne. Les Maracas, ils m'ont forcé à dire que c'était les Rokina, c'est pour ça. Qui les Maracas?
Les Manizales, hein. Oui. Les Taronins. Tu fais de la merde, Ravier, et tu revendiques Rokina. Non, il me braquait, il me disait que j'étais, que je devais dire que c'était le Rokina. Sinon, il me tuait. Ok, mais du coup, c'est pourquoi tout ça, là? Pourquoi toute cette merde, là? Ben, eux, eux trois, ils allaient me tuer. Non, bordel. Parce j'ai, comment, j'ai... Tu les... comment t'as réussi à les braquer, déjà? Je lui ai arraché l'arme des mains, je les ai braqués. Ouais, il m'a arraché l'arme des mains, ce bâtard. Eh ouais. Quoi, qu'est-ce que tu veux dire, hein? Qu'est-ce que tu veux dire, Zébec, madame le H? Tu peux raisonner ton ami qui rend son arme et que nous, on se casse, s'il te plaît? Non, non, on va finir de parler d'abord, les soies. Parce que là, les Manizales, ils... Attends, tu sais quoi, je vais écouter ce qu'il a me proposé, d'accord? J'ai toujours mon arme dans les mains. Mais qu'est-ce qu'on fera, Zébec? Et vous pouvez y aller, le Rokina, c'est bon, vraiment, vous pouvez y aller. Oui, oui, Hermano. Dis-moi ce que tu me proposes. On va dire ton ami, hein. Plus d'augmenter un peu ta gamme, je pense que contre le... Il dit que c'est Fabio qui vous a demandé. J'en ai trois. Il a même dit que c'était Fabio qui avait barné. Hein. Je pense que sur cet armement, tu as pris une partie. Hein. C'est un armement des... Ouais, je vais peut-être négocier des guns ou quoi. Oh, j'ai trop envie d'avoir des armes. Donc je me dis, je négocie des guns. À qui tu vas négocier des guns? Et ta gamme. Et que s'ils veulent, ils veulent être libérés. Hein. Oh, je vois. Ils ont quoi faire. En gros, moi je t'appelle, tu viens. Il a pris 30 000 dollars sur mon mec. Je t'appelle, il a déjà tu viens, tout ce qu'il faut. Tu lui voles des armes et tu me passes des armes. En globalité, tu me ramènes ces petits enculés. Parce que là, j'ai cru que t'avais le cul. J'ai cru comprendre que t'avais le cul entre deux chaises et que tu voulais savoir qui te donnait la meilleure offre. Oui. Parce que je peux comprendre, c'est le business. Bah oui. En plus de prendre ta cam pour le gars que tu m'as ramené là, ok, oui. On va augmenter un peu les quantités s'il faut, c'est pas le souci. Tu te doutes bien que. Ils ont pas envie de finir avec un trou dans la tête, ceux-là. Ils ont pas envie de finir avec un trou dans la tête, non. Ils sont plutôt gentils en vrai pour des bikers. Et s'ils veulent pas finir avec un trou dans la tête, il va falloir me donner, je sais pas, quelques petites armes pour leur libération, tu me suis? Ok. Ces petites armes, je réfléchis, Gustavo, je réfléchis. T'inquiète pas. J'ai réfléchi. Super. Ok, vous avez entendu ce qu'il a me proposé. Qu'est-ce que vous me proposez? Je te mets sur un coup, déjà. Oui. Javier. Qui peut te ramener beaucoup d'argent. Un coup qui me met, oui. Oui. Quoi d'autre? Ensuite, s'il veut te vendre des armes, qu'il n'a pas. Parce que regarde, tout ce qu'il veut de notre part, c'est des armes. Et oui. Ben moi, je t'en donne une arme. Au pire, tu me donnes direct, comme ça, je te ramène pas à lui. Voilà. L'arme que t'as prise à Béa, tu la gardes. C'est oh, bon. C'est vrai? Et tu nous laisses. Oui, et tu nous laisses. Ah ouais? Javier. Oui, Hermano. Du coup, là, on a un problème, là, nous deux, Hermano. Pourquoi? Tu fais des trucs. Ah, tu vises qui, Hermano? Non, je vise lui. Ah, ok, ok. T'as pas besoin de me braquer, on discute correctement. Oui. Mais le problème, Hermano, c'est que là, tu dis que t'as fait tout ça pour la Rokina, Hermano. On n'a plus de lien, Hermano. Le seul lien que tu as, c'est que Fabio, c'est ton tuteur. Oui, c'est mon tuteur. Et donc là, pour les SOA, c'est la Rokina qui les braque. Tu vois, c'est pas Javier. Non, c'est pas un SOA, c'est pas un Rokina, c'est pas un Rokina. J'ai déjà dit la vérité, là, Zépec. Donc les SOA, ça se passe comment? Vous le prenez comment, là? Là, on le prend, on essaie de négocier notre libération. Ah, mais c'est bon, là. Ils ont entendu ce qu'il veut faire. Hein. Zépec, ils ont bien entendu que c'était pas vous qui m'avez demandé de le missionner. Maintenant, on le sait. Par contre, s'ils s'amusent à faire tout le monde au nom des Rokina, ça risque d'être compliqué pour vous, Zépec. Parce que là, il nous a dit texto. Non, mais le problème, regarde. Moi, il m'a dit texto, c'est Fabio qui est mon mec. Qu'est-ce qui m'empêche d'envoyer du monde et que ça parte en couille entre nous alors que ça se passe bien? Rien. Bah, ton intelligence, elle ment. Oh, merde. Oh, putain. Bonsoir à tous. Masquez-vous. Bonsoir. Si, bien sûr, monsieur l'agent. Tout va bien. Tout va très, très bien d'ici au 17, c'est ça? Mais bien sûr, là, on va faire un petit rendez-vous tranquillement. Parce qu'on aime bien les motos, vous avez vu? C'est pas le masque, le problème. C'est vrai que... Il va nous les vendre dans le mes 10 000 dollars. Je vais rien faire, bordel. Range-moi ce truc, ça se passera bien. Je sais pas, vous allez faire une bonne affaire. Non, tout va bien, vous emmerdez pas. Tout va bien, super. Au revoir. Bonjour, messieurs les agents. Merci pour le travail que vous fournissez tous les jours. Bon, Javier, on va avoir une discussion. Oui, on aura une discussion, je t'expliquerai. Javier, est-ce que ça te convient? Je te mets sur un coup qui va te ramener du fric. Ça en cours en ce moment, en plus. Il y en a encore pour 3 jours. C'est quoi? En contrepartie, je vais te le dire après, mais il va falloir qu'on bouge et qu'on se revoie parce que les flics vont débarquer. L'arme, tu la gardes parce que tu veux des armes. Et en contrepartie, tu dis qu'on t'a baisé et qu'on a réussi à se barrer. Tu peux avoir voilà des balles? Je te propose. Les miennes déjà, arrête d'abord. Ben oui, mais ils m'ont pris les miennes. Ça, c'est le renard qui se mord la queue.
Le loup, file-lui, je sais pas, 10 balles de gun, s'il te plaît. Attention le loup, attention le loup. Tu connais l'histoire de Pierre et le loup, tu la connais ou pas? Non. Cool, cool. Super. Et si tu veux que ça fonctionne entre nous, évite de braquer mes mecs. Mais moi j'aime pas les bikers. Mais je m'en fous, on est obligé de s'aimer si on doit faire du business. Mais on a rien fait, attends. Vous avez tué mon père! Mais on non, fait. On connaît pas ton père, putain. Oui, Rafi. Ouais, ça va mieux, Ravière. Encore en vie ? Oui, oui, oui. J'ai... Oh putain, les Hoover, ils m'ont ramené au biker. J'ai arraché l'arme des mains d'un biker, je les ai braqués tous les trois. J'ai volé un pétard, je suis parti. Oh putain de merde. Bon, vas-y, viens, on est en train de récolter là, je t'envoie la pause. Oui, avant moi la pause, j'arrive. Vas-y. Non. Ok. Ok, 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 ok. Non, non, j'allais pas leur envoyer la pause à Gustavo. Il y a déjà trop de trucs là. Ça suffit. Demain. J'allais te rappeler, parfait. Oui, Rivière. Oui, Gustavo. Je vais être honnête avec toi, ok? Dis-moi. Là, déjà, dans cette histoire, je le sors plus que gagnant. Maintenant, je suis en train de négocier ton bout de pain à toi. Tu vois? Super. Ces enculés, disons que je les connais, ils sont remplis d'ego et ils ont une foi de la vengeance qui est incroyable. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qu'ils t'ont proposé? Dis-moi. Là, en gros, je suis parti. Donc, ça y est, c'est mort, Gustavo. Je suis parti et ils m'ont donné un pétard. Par contre, parce que t'inquiète, un pétard. Oui, je pense à nos arrières. J'ai négocié. Donnez quoi comme pétard? Un Beretta. Ils t'ont filé un Beretta là? En gros, je l'ai volé en d'autres termes. Ok, ok, très bien. Mais il m'a dit, il va me mettre sur un boulot à l'avenir. Comme ça, à l'avenir, on pourra aussi les baiser, tu vois? De toute façon, je vais t'expliquer un truc. Oui, Gus. Le business d'armes, oui. Lavière, je te le dis nettement. Hein. Crois-le, tu vas pouvoir avoir un travail et que tu vas te faire choper. Non, pas pour ça. Non. Il va pas me faire travailler sur les armes. Il m'a dit, il va me faire. Ah, tu crois que. C'est des salopes, je le sais très bien. Maintenant, je t'explique. Nous, on négocie de notre côté. Bon, j'aurais préféré que tu me les livres. J'aurais pu te mettre bien mieux avec les têtes qu'il y avait dedans. Oui, c'est vrai, il y avait tout le monde. T'as joué cette carte, c'est pas grave, c'est une deuxième carte. Nous, de toute façon, on l'a et je t'explique pourquoi on les attrape si tu veux la raison. Oui. Disons qu'il s'occupe de fabriquer un peu, ok? Il a dit quoi? J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Et il bloque le business à beaucoup de gens, tu vois. Pourquoi vous dites? Donc, je pense que. Vous avez entendu arabe? Tu veux comprendre où on veut en venir? Le business il nous intéresse, on souhaite le récupérer, c'est tout. T'as pas dit arabe? Ok, ça marche. Donc voilà. Dès que j'ai des nouvelles, de toute façon, dès que je peux en attraper d'autres, je les attraperai. Toi, c'est lequel? Toi, tu veux le chauffe barbu? Ça aurait été mieux. Là, je vais déjà négocier la libération de son gars en premier temps et de toute façon, on se tient encore. Ah, mais tu l'as encore, Barney? Bien sûr. Ah, mais super! Et si tu veux savoir, il a au moins plus de 100 000 dollars de fabrication sur lui. Oh, il y a du matos, c'est oui, pour c'est ça que j'aurais aimé avoir les trois autres pour oui, faire mais une brochette. Ça suffit, tu grilles, Darmano. Tu es non, bien? Non, non, non. Ouais, je suis bien. Moi, ça va. C'était pour le toi que je négociais là en fait. Oui. Tu m'as demandé une arme. Je t'ai dit que j'étais pas une puta. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. De toi-même, tu es venu, tu as doublé mon prix et tout. Et donc voilà. T'as eu ce que tu voulais, ta récompense a été donnée, moi ça me va. Je m'occupe de négocier la. Merci Gugus, quand tu as fini, tu m'appelles pour me livrer la cam. Il n'y a pas de soucis, on fait comme ça. Super. À toutes. Super. Mais les gars, pourquoi il aurait dit que c'est des Arabes? Alors que c'est même pas des Arabes. Soyez pas con. Encore, ça serait un gang d'Arabes. J'aurais dit, bon, peut-être qu'il a dit des Arabes. Mais là, c'est même pas des Arabes. Moi, j'entends des salopes. Putain, vous m'avez fait peur. J'ai cru qu'il avait dit un banword, moi. Comment vous avez réagi? Je me suis dit, oh là là. Il a dit un truc, et vu que j'écoutais pas trop, en plus, ce qu'il me racontait. Ça se trouve, il a dit...
Un mot qu'il faut pas prononcer sur Twitch. Et ils sont où, bordel? Oh, oh, non, merde! Ah! Ouais. Si, demain on fait une banque. Demain on fait une banque. Demain, il va nous mettre sur une banque. Par pitié, cache la voiture. Qu'est-ce que vous faites? On a récolté des graines de coke. Ouais. Alors, comment tu t'en es sorti? La merde, Hermanoël. Putain, je suis un génie du mal. C'est une grosse merde, va. C'est une grosse merde, va, fils de pute, va. Pourquoi? Mec, qui s'énerve pour rien, je sais pas, je t'ai dit ça, j'ai envie de le dire. Et on a trouvé un truc trop stylé, Javier. On a trouvé quoi? Mais en fait, le problème, c'est que je nous connais, si on va commencer à fouiller, on va plus s'arrêter. Là, en fait, là, t'as vu le truc de crack, le labo de crack? Ouais. Et ben, il y a plusieurs sortes de drogues. Tu peux faire de la drogue améliorée, mais faut trouver un ingrédient qui est inconnu. Ça peut être du poulet, une feuille, une frite, et juste faut faire des tests. Et ça nous donne le meilleur crack. Incroyable. Des poils de nez, des trucs comme ça. On va trouver l'ingrédient secret aussi. Ouais, il faut des poils de nez. Quelqu'un a trouvé pour l'instant ou personne? Non. Mais Hermano, moi je récolte rien depuis tout à l'heure. Si, t'inquiète, c'est grave, c'est long. Depuis que je t'ai appelé, j'en ai récolté que 6. Là, j'en suis à 9. Ah oui, j'ai une graine. Je suis à 6, moi aussi. Et il nous en faut 50. Donc 10 chacun. Les Hermano, ils étaient 3. Les Hoover, ils m'ont ramené. Les SOA, ils sont arrivés. L'autre, elle arrive. Je lui ai dit qu'elle était pas belle. Du coup, elle s'est rapprochée de moi pour voir si j'étais beau. Elle s'est mise en mode arme en l'air, tu vois. Elle me regardait de près. Je lui ai arraché l'arme des mains, Hermano. Comment t'as arraché l'arme des mains? Pourquoi t'as pas eu peur? Ben j'ai eu peur, j'ai eu très peur quand je l'ai fait. T'allais mourir. Les deux ils avaient pas d'arme en main, du coup je me suis dit bon ben il faut que ça se tente. Ah ça va en vrai. Et du coup j'ai réussi à les turn et ils m'ont dit c'est qui? Gustavo il m'a appelé, il m'a dit qu'il les voulait les trois. J'ai dit qu'est-ce que vous en échange pour que je vous livre pas? Ils m'ont dit on te passe un pétard et moi j'ai dit ok. Ils t'ont passé un pétard ou quoi? J'ai un pétard en plus, les Hermano. Non, incroyable. Incroyable. C'est pour vous. Le donne surtout pas à Dio ni à Javier. En vrai, si vous voulez qu'on se ramballe juste avec un seul pétard, c'est bien. Pas besoin d'avoir tous armés, etc. Ça pue sa mère. Bah, en vrai, des coups. Ouais, mais en fait, je vois le nombre de fois où on se fait braquer avec Javier. Je me dis qu'il nous faut un calibre en plus. Ouais, mais en fait, t'as vu, genre, là, quand on fait des trucs comme ça, ça sert à rien d'être armé. Ah oui, non, ça sert à rien. On va se faire péter, on va tout perdre. Oui, c'est vrai. Et plus la mission, ils vont me passer 200% de coke. Ça, vous le saviez déjà, que là. Ça, c'est bien, parce que, en fait, le Rainer, il m'a appelé pour. Dans l'air, je veux pas la Capricorn. Attends, Dar, 2 secondes. Vas-y. Où ça? Tu m'entends? Jure, attends, moi, j'en prends un. Il est où le Capricorn? Javier, fils de pute, qui l'abuse à fond. Il est où, fils de pute, hein? Ah, c'est couleur. Non, mais non, je le vois pas prendre la Capricorn là. T'as vu, lui, il force. T'as vu? C'est bizarre quand Ryu il le fait, c'est drôle. Mais quand toi tu le fais, Rafi, c'est bien, Guess. Je suis pas les coups, bande de fils de pute, moi. Ah ben. Tu le fils de Vertu. Ah ben, il a pris un Capricorn lui aussi. Oui. Ça arrive. Qui? Luis. Non, Paolo. Paolo. Ouais, Paolo. Demain on va faire une banque. Hey. Mais pour qui on fait la banque? Bishop il nous a juste dit demain s'il vous plaît je vous passe une perceuse, vous faites une banque, vous faites de l'argent. T'as oublié ça? Je vais vous faire enculer, c'est bon? Moi je pense à votre bien, je pense au gang, vous pensez à rigoler. Et imitez pas mon père. C'est moi, je suis Big Glorio. Wouf wouf. Je vais arrêter de récolter juste pour te piétiner. Les crayons. Hey. Oh yeah. Ma sœur, c'est une pute. Oui. Oh, oui, c'est vrai, ma tata, c'était une petite pute, c'est vrai. Grand Ria. Ma tata, c'était vraiment une petite pute, c'est vrai. J'avoue. Hello. Comme la mère, comme Clara. Non, Carla. La mère à Miguel. Tutti quanti. La mère à Miguel ou la mère à Javier? La mère à Javier. Par contre, ah oui, la mère à Javier qui est le... Oui, c'est bon.
Si, moi je suis bête, toi, j'ai fini. Bah, je suis à 6, je suis bloqué, je suis stuck à 6 là. Mais c'est parce que tu es. Donc vous êtes chaud ou pas pour demain, là. Oui ou non? Parce qu'il, je lui dis oui, je lui dis pas oui pour rien du tout en mais fait. Oui, dis-lui oui. Mais tous les jours on va faire une banque. Bah, c'est bon. La question se pose pas. Mais les gars, ça veut pas récolter. Parce que tu récoltes pas, t'es en dehors de là où il y a les plantes. Mais par pitié. Vous êtes en train de récolter. Il y a Crico exactement. Vous êtes en train de farm. Niquez vos mères. Pourquoi tu lis? Mais c'est la première fois que je fais ça, moi. Il y a écrit ça où? Il y a écrit ça où? C'est vrai que c'est lent. Et attends, une graine, c'est une plante. Et ça périme la 10, graine. Moi, je suis à 10. Hein. Comment c'est gros, on est où de la péremption? Non, on a le temps. C'est genre une journée, je crois. Comment tu sais ça? Une journée? T'as déjà fait la coque? Non, il me l'a dit. Il l'a déjà fait. Moi, je suis à 12. Lui, il l'a fait avec son daron. Oui, alors que toi, ton daron, il se pétait plus haut que son cul. Mais les hermanos, là. Quoi? Le crack, c'est comme de la coque. Non, c'est presque pareil, c'est comme la weed. Mais pourquoi c'est on fait pas de la coque au lieu de faire du crack? On n'a pas le labo de coque. Parce qu'on n'a pas le labo de coque. Je crois que c'est que les gros, t'as vu, genre des organisations. Et déjà là, tu vois, il y a des variantes, donc on va pouvoir déjà, les vendre. Déjà, avec ça, aussi. Moi, je vais aller déjà planter mes dix pots. Parce que non, on y va ensemble. Mais on va trouver. On y va ensemble, tu vas pas planter là, Hermano. Non. Non, pas ici. Mais est-ce que... Pourquoi vous parlez tous en même temps? Vous avez combien sur vous? J'en ai 6, Hermano. J'en ai 11. Ah, mais c'est parce que je suis plein. Non, juste un truc. Est-ce que moi, si je mets 10 pots, toi tu peux mettre 10 pots et lui faut que mettre 10 pots? Non, je peux mettre 11. C'est rien d'avoir plus. Genre, on peut mettre 50 pots si on veut à côté. On peut faire un champ si on veut. Vas-y, ah oui, vas-y. Mais après, on va se faire gronder par Fabio. Pourquoi? C'est 15 maximum, c'est 15 pots. C'est qui Fabio déjà? Pourquoi tu nous as dit 10? Bishop nous a dit 10, c'est pas 15. Il y en a, il faut oui, 10. Oui, moi quand j'étais avec les Rokina, ils mettaient 10 dans un coin et 10 dans un autre coin. Voilà. Les gars, oubliez vos trucs d'avant, arrêtez de dire 15 parce que vous savez rien faire. Pourquoi tu dis 15? Mais parce que c'est logique. Les gars, on a 50 pochons, hein, ça rien. Vous savez rien du tout. J'en ai que 6 mois. Vous êtes là, vous faites les allées, moi, c'est le white. J'ai 11, moi. J'ai 11. On apprend là ce qu'on fait. Ok, moi, attendez, venez, on fait le compte. Paolo, tu as combien? 11. Ok, Rafi, tu as combien? 6. Guero, tu as combien? Bon, j'ai 12. Ça fait combien? Qui c'est qui compte là? Moi, j'ai 14. Il n'y a personne qui compte. Qui a compté? Ça fait 23, 29. 29 avec moi. Ok, Rio, t'en as combien? 14. 14. Oh, 14! C'est 33. Bah, c'est bon alors. Et moi j'en ai 6. Ah, il en manque un. Voilà. Comme ça, Santi, donne à. Il en manque combien, pardon? Hein? Mais ça fait pas 30. 30 il en manque combien? Il en manque. Ouais, un seul. Pour faire combien? En gros, gardez pour faire 10 50. Vous, on a 50 gardez, pots là. Ouais, gardez 10. Bah, c'est bon. Bah, là, du coup, c'est bon. C'est bon, super. Moi j'en ai une encore aussi. Bah, vas-y, on va où là? On va pas loin du labo, je pense. Ah ouais? Moi je sais que les Rokina ils se mettaient vraiment à des endroits de zinzin pour le faire. Bah vas-y, trouve un endroit de zinzin. Mais ça fait long. Vas-y, c'est pas ça, Javier, il va trouver un endroit de zinzin. Genre vraiment, c'était pas des endroits pour que peut-être que les polios ils passent par là. Hein. C'est vraiment. Bah trouve un truc vaste pour qu'on en mette plein. D'accord. Ok, super. Tu sais que vraiment, en fait là on se fait que de la marge. Parce que là, tout ce qu'on a acheté, j'ai acheté 50 pots avec tout le matériel nécessaire, avec le fertilisant, tout les pochons. $4000. $4000. Ça va nous faire combien de pochons? Ça nous a coûté $4000? Oui. Ouais, ah oui, c'est incroyable. Mais du coup, on a que de la marge, en fait. Par contre, les ouverts, faut pas les oublier, hein, ces connards. Mais non, on va les enculer. Mais on peut pas acheter autre part que chez les ouverts. Si, à Sanchor. Les gars, on le fait où? On le fait vers Grapsid? Ouais, Grapsid. Grapsid, c'est au-dessus de Sandy Shore. Juste au-dessus. Venez, on le fait. Venez, on le fait dans les vignes. Ouais, Rico. Dans les vignes? Dans le marais. Les vignes, c'est bien les vignes. C'est cohérent. T'as vu les. Tu vois les vignes, il y a un petit pont en dessous. Il y a de l'eau et tout dans les vignes. Il y aura même plus. Tu vois Rivière ou pas? Tu connais? On est juste en train de planter. On peut faire là-bas. On fait rien. Mais pourquoi t'achètes de la cam? Pourquoi il va aller vers Grapsid? Y'a quoi? Il y a de la base. C'est pas grave, Rico, vas-y, on s'attrape après. Je sais pas, mais va au vin, t'as raison. Mais pourquoi t'as 20 000? Ok, c'est bien, Rico, vas-y. À tu peux nous reprocher de faire pousser des trucs au vin, hein? Qui? Tu vois le. Comment ça s'appelle? Le quartier. Vends pas n'importe où, parce qu'il y a des endroits où en fait, c'est pas possible. Laisse-le, c'est son dos. En gros, j'ai vendu au parc d'attraction. Il a ramené $20 000. Sauf que les poyos, t'as vu quand ils m'ont chopé, ils m'ont dit
Nous, on est gentil avec toi. Parce que t'as vu, de base, j'en avais plus, mais il m'en restait 3 sur moi quand je me suis fait choper. Ils ont été gentils avec moi. Ils m'ont dit, fais attention parce que ici, si tu te fais choper par le gang, ils vont t'arracher ta mère. Oui, ils vont t'arracher ta mère, oui. Faites foraine, oui, c'est vrai. Ils vont t'arracher ta mère. Du coup, tu me conseilles quoi, Rafi? De continuer à vendre. Tu vois là-bas, il y a le pont à droite. Va, si tu veux, va. Ou à la position où on était au core center là. Au core center. À droite. Tu sais où c'est le core center ou pas? Ah, sous le pont. Ah, vas-y, ouais, parfait. Le pont, si labyrinthe, tu veux, labyrinthe, là-bas. Vas-y. C'est pas très grand, il nous faut un grand endroit en fait. Et ben, en plein milieu des villes. Vas-y, on fait ça, vas-y. Tu vois ce que je veux dire? En plein milieu. Là, voilà, ici, comme ça là. On va aller comme ça. Mais parce qu'on a besoin de. Éloigner de la route un peu, non, tu peux pas? Pour faire. Genre à droite. Si c'est notaire. Et là, la cam, on en a encore au barrio ou pas? On va en avoir après. On va en avoir. Pourtant, on va faire des villes. Regarde, pour optimiser les 10. Il faut faire un carré, comme ça tu mets que 4 lumières. T'as pas besoin de niquer plus de lumières. D'accord. Mais après, ouais. J'ai calculé, j'ai fait une forme. On a 12 lumières. Ok, hein. on va ailleurs. Bro, on a pour faire 3. Ramener 20 000 dollars, Rico. Nickel. Tout à l'heure, il achète et il revend. Il achète, en vrai, il c'est plaisant là de faire tout ça, je te jure. T'as vu, ouais, on galère. Non, non, c'est pas galérer. C'est plaisant quand même, de, on un peu, quand de faire la drogue. De... Oh, je sais. On va aller dans la grotte de Hypromix. Les gars, j'ai un endroit. C'est là-bas, je crois. Ah oui, où? C'est un endroit où il y a personne qui va. Hein. La grotte de Hypromix, c'est où ça? C'est vers là. Elle y est? Non, mais la petite grotte, pas l'intérieur. Je la petite, une petite grotte. C'est là, je crois. Vers ici, là. La grotte de Hypromix. Ah oui, la grotte de Hypromix. Non, je ne connais pas. C'est le ruisseau. Attends. Qui est Hypromix déjà, Javier? Un youtubeur. Un youtubeur, il fait quoi? Il fait des vlogs. Bien joué. c'est ça, c'est bien joué, ça, fils de pute. C'est vrai. C'est bien ça. Ah non, c'est la prochaine, je crois. Ah, mais c'est là où, ok, je vois où c'est. Oui, tu vois? Oui, c'est le tir. C'est dur en voiture. Tu vas aller là où il y a la caverne là? Ah, ah. C'est la merde là. Dans la caverne là. Le cours du fleuve là. Faut suivre. Et sinon, on se met là, nique sa mère. Hein, on se met. Pire, bat les couilles de la cabane de. Oui, bat les couilles. Hein. Après, il a dit qu'il fallait faire sur un endroit qui est vraiment plat. Ah ben là c'est pas plat. Quoique là si c'est on bon. On va trouver un endroit plat. C'est vrai que c'est pas très oui, plat non. Il a dit qu'il fallait que c'était un endroit plat. Moi j'écoute ce que m'a dit Bishop. T'as raison. Merde, ils sont partis où? À gauche. Tu les vois? Oui. Hermano, je pense qu'on s'est engagé dans de la merde. On a trouvé, c'est à droite. Aïe. C'est à droite? C'est là, juste à droite, regarde. Oui, c'est là. À droite. Oui, c'est là. Mais où, je te jure, je vois pas de quelle grotte. Mais je te jure, moi je suis jamais allé. Mais ouais, je connais pas moi ça. Mais c'est quoi ce truc? Je ne connais pas non plus. Il y a un animal secret, regarde. Là. Oh, une licorne. Arpiti, dis-moi comment tu veux mettre 50 points. Oh là, mais il y a des armes de guerre et tout. Aïe, aïe, oh la voiture. Il y en a que 47. Les gars, il y en a. Il y avait quoi dedans? Il y a rien. Enfin, je sais pas, c'est fermé. Bah, du coup, on fait pas là, non? Mais là, on peut pas mettre 50 pots là. Ah, bah, on peut pas. On peut bah, là, t'en mets pas quoi. On a d'autres voitures, on a pas de frein à main. On est mort. Ah, bah, merde. Pourquoi vous êtes pas resté dans la voiture? Non, les gars, venez, on revient sur la route, on trouve un meilleur endroit pour que là, c'est n'importe quoi. Les vignes, par pitié, juste les vignes. Ton idée de base était bien? Non, il y a mieux, je te promets. Ah, oh, oh! Oh regarde, il boit. Ouais, le sanglier il boit. Incroyable. Tu l'as empêché de boire. Mais c'est trop long. Je suis trop content, j'ai découvert un nouvel endroit. Ah oui? Ouais. C'est petit. Du coup là sur ma carte c'est plus grisé. Mais t'as vu, personne ne va jamais vers ici. Oui. On part au phare? Au phare? Non, c'est grillé. Mais va à ton endroit que tu nous as dit. Bah, c'était juste à côté, c'est à gauche. Ah.
Vas-y, viens, on roule, viens, on roule. Vers ici, y'a jamais personne qui passe. Parce que t'as vu, quand tu vas dans le nord, tu vas toujours à l'autoroute ou quoi. Tu prends cette route, elle est pas trop prise. Ouais, tu prends jamais la voie rapide. Et puis si on faisait une crack house, on trouve une maison ouverte et on fait du crack. Non, je crois que c'est mieux de faire dehors. Non, parce qu'il y a la lumière, mais une vraie crack house, tu vois, où tout le monde peut rentrer et tout. Et on revendique la crack house. On va au jus d'orange. On peut aller soit au-dessus du panneau Vinewood, soit jus d'orange. Jus d'orange, c'est bien, non? Ouais, jus d'orange. Vas-y, go, jus d'orange. Jus d'orange, ah oui. Mais c'est cramé là-bas aussi, non? Oui, mais si jamais il y a des gens qui viennent, ça sera des criminels, pas, okay. Pas des poyos. L'observatoire. Ça fait longtemps qu'on n'est pas parti là-bas. Mmh. C'est trop beau. Tu te rappelles, à l'époque, il y avait le gouvernement là-bas? Oui, je m'en rappelle. Mais on va pas se mettre dans un bapig, les gars. En plus, je crois qu'on n'a pas le droit. Je crois. Il faut qu'on soit dehors quand même. Et Soledad, elle a fait quoi? C'est pas ce qu'elle fait. Avec Rodri. Ok. Ah, on se met là, on est très bien. Ah, on peut faire. Je vais te niquer. C'est l'endroit le plus cramé au monde. Ça va les couilles. Vas-y, c'est parti. Tout le monde a des trucs sur lui. Attends, je vais la faire tomber. Prends un peu sur moi, Javier. Je prends combien? Les gars, j'ai 25 points. Vas-y, viens, 25. Chacun dit. J'ai plus de place, j'ai 50 fertilisants. 12,5, donc tu coupes 1 en 2. Comment ça, 50 fertilisants? Je vous explique. Vous prenez des pots, vous faites un beau carré. Tiens. Qui c'est qui a les pots? Tout le monde a des pots un peu. Non, j'en ai pas moi. Donne-moi des pots. Tiens. Donne-moi des pots. Ok, parfait. Donc vous prenez des pots, toi, Javier. Vous faites. Non, j'ai fait. Attends, mais vous faites votre carré à vous. Un beau carré, t'as vu? Mais attends. Il faut les coller? Oui, c'est ça que je comprends pas. Attends, bouge pas. Un carré de 10. Comment je mets le pot? 5 par 5. Tu prends comme si tu prenais ton téléphone. T'as vu, genre, voilà. Oh. Écoutez-moi, comme ça vous entendez tous. Vous faites un beau carré de 5 par 5. Comme ça vous pouvez mettre une lampe de à chaque coin. Comme ça tout est éclairé. J'ai l'impression que je fais ma base dans Rust. Ouais, voilà, c'est ça. Après, vous mettez une graine, une graine, un fertilisant et deux bouteilles d'eau. Attends, tu peux te pousser s'il te plaît, Rafi, parce que t'es devant moi. Merci, mon frère. Il faut les coller le plus possible. Oui. Et qu'est-ce que tu fais, Rio? Mais parce que je fais mon carré, pourquoi tu t'es mis dans mon carré? On fait un carré ensemble. Je veux pas partager avec toi. Allez, on fait un carré ensemble, hermano. Bon, vas-y, d'accord. Mais par contre, j'ai déjà placé. Il y en a trop là de carré. T'as déjà fait de la merde. On a déjà fait de la merde. Vas-y, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Mais on est pas trop proche là. Bah, je sais pas. On peut les récupérer les plots si jamais. Non, tu peux pas. Je pense, peut-être. Tu peux pas. Attends, mais je crois que tu es trop près de nous, hein. Non, attends. Non, en vrai, ça va. Pourquoi regarde ce que je vais faire, moi, c'est pas grave. Je crois que c'est. En fait, je crois que c'est 15 max. Et après, sinon, ils volent toute l'eau entre elles et tout, c'est la merde. Ah bon? Ouais? Bah oui, je pense. Mais après, est-ce que les plus grands chinois. Ok, stop, viens, on arrête là. Viens, on s'arrête pour l'instant. Arrêtez tous. On fait un truc. On aurait pas de tous les carrés en même temps. Mais là, vous avez oh non, mais non, mais tu as récolté, il y avait rien dedans. C'est de la merde, là tu as perdu le pot. Ah oui? Bah oui. J'en repose un. Par contre, je le pose moi, attends, je le pose moi. Mais non, mais tu dis n'importe quoi, j'ai remplacé un pot vide, je peux le reposer. Ah ok, super. Donc ça veut dire on peut refaire notre carré si tu veux. Ok, attends, 3, 6, 9. Attends, je finis celui-là. Il est bizarre là. Ah, il est bon, 3, 6, 9, 10. Mets les lumières. Ok. Moi j'ai des lumières. Donne-moi les lumières, donne-moi 4. Je la mets où la lumière? T'inquiète, je vais les mettre. 14.
Il manque un pot. Donnez-moi encore un pot. Donnez-moi encore un pot. Prends sur moi. Merci. Attends, je veux mettre un aussi. Attends, c'est moi qui mets lui. Non, c'est moi qui mets. Trop tard. Non, mais la lumière. Ah oui, vas-y. Je commence à mettre les graines ou pas? Oh, c'est trop stylard. J'ai vraiment essayé de les pack le plus possible. Ouais, parfait. Et là, on met la graine ou pas? S'il vous plaît, ne récoltez pas, ne faites pas les cons, oui. Récoltez. Là, du coup, vous mettez une graine dans comment chaque... Comment on fait pour le mettre? Et moi, je commence par ce côté ici. Je fais le côté droit. Gaffe, s'il te plaît. Ouais, tu... Voilà, t'as compris. Ok, moi, je fais ce côté-là. Les graines, une graine infertilisant. Graine oui. Une graine infertilisant. De toute façon, tu le vois quand tu en as. Non, c'est deux fertilisants. Non, c'est un. Ça marche. Non, c'est un fertilisant. Ouais, ça marche. Moi, Bishop, il m'a dit deux. Bishop, on l'encule. Moi, il faut des bouteilles d'eau, il me faut des bouteilles d'eau. Qui a des bouteilles d'eau, s'il vous plaît? Panique pas, ça va pas perdre. Arrête de paniquer. Ah, c'est trop stylé. Mais pourquoi il m'a dit deux? Parce qu'il est con. Et comment vous savez? C'est genre, nous on est là pour révolutionner les choses. Il y a des gens, ils sont déjà ici, ils croient savoir bien faire, mais non. Ils croient souffrir. Mais qu'est-ce que tu fais, Rio? Il y a déjà des plantes là où tu plantes. Mais non, j'ai mis de l'eau. Ah, tu mets de l'eau. Parfait. Moi maintenant je vais mettre les fertilisants. Moi je. Qui a une graine encore? Il me manque une graine, s'il vous plaît. Moi j'ai. Tiens, tu veux que je te passe toutes mes graines là? Allez, vas-y. Fertilisant, il en faut un. Tiens. Super. Tu veux de l'eau? Non, vas-y, moi j'ai planté. Moi j'ai les fertilisants, je vais mettre du fertilisant. Vérifiez bien quand vous mettez que le fertilisant n'est pas déjà mis, s'il vous plaît. Viens pas sur Mali. Le mien j'ai déjà mis. Comme ça on snick planté. Je mets d'autres derrière toi, Javier. De toute façon, je le garde avant de mettre moi. Juste, ouais, c'est vrai, regardez en fait et c'est tout. Vas-y, attends, trop bien. Fertilisant. Ok. La première fois que tu fais ça, Rafi? Lui, y'a pas. Attends, je mets sur celui-là. Je mets sur celui-là. Ah, tu mets quoi? Ok, fertilisant. Il est là, par plante, mets de l'eau. Deux bouteilles d'eau. Là, c'est bon. Non, trois, c'est trois, il a dit. Là, c'est bon. On va voir. Pour le moment, mais. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Il faut trois bouteilles. En vrai, c'est pas grave, on va pas jouer avec des centimes. Fertilisant, ok. Lumière. Ok. Parce que je crois qu'il faut pas les noyer, les plantes non plus, Rio. C'est trois, je te jure, tout à l'heure on a essayé avec trois, ça a marché. Ok. J'ai de l'eau aussi. Attends, là, les gars, on peut attendre un quart d'heure. Bah, venons, on commence à placer d'autres. Ouais, mais non, on trouve un autre endroit, on les fait ici. Fais un peu plus loin. Javier, on peut faire plus loin? Ben, Germano, je sais pas. Ah, voilà. En vrai, essaye. Moi, je pense que si on peut pas, on pourra pas de toute façon. Ok, vas-y, bah, je vais essayer. Mais j'ai placé deux pots là-bas encore, hein. Tu veux que je t'aide? Vas-y. Qui reste des pots? Moi, j'ai. Attends, je te les prends. Prends sur moi. Ouais. J'en ai 5 normalement. Attends. Ah merde, je t'ai pris les fertilisants. Attends, je vérifie si tout, vas-y, prends tout. Tiens. Là, y a de l'eau. Ok, moi je fais dans cette direction-là. Voilà les gars, ça je vais voir, faites gaffe à pareil. Oh merde, j'ai raté. Ah merde, je l'ai mal mis lui, je crois. Commence. Y'a. Tu vois, tu la verras, elle est grande. Oui, elle va pousser, elle va devenir grande. Y'a l'évolution. Mais tu verras l'évolution, tu verras l'évolution. C'est dur à mettre, hein. Je jure, c'est dur, c'est stylé. 3, 6, 9, 12. Qui c'est qui a une lumière encore? Attends, 3, 6. Moi je t'ai 9, donné, hein. 12. Allo. Bah là merde, c'est bien là du coup. Merde. Attends, je peux en mettre trop encore. Après, je crois pas que les lumières elles ont. Bah si, regarde, tout à l'heure on a fait. Tout à l'heure on a mis 15. Si, il y a 12. Il y a 12. Attends. Putain de merde. Non, il y a 15. Ok, alors. Parfait. Vas-y, je commence à poser les graines. Vas-y, moi je mets l'eau, hein. Et super. Moi je mets l'eau, hein. Non, il faut les lumières d'abord. Attends, il faut les lumières. Ok, ouais, t'inquiète, je mets pas. Vas-y, je mets les graines. Je prends cette ligne. Vas-y, prends cette ligne. Tu mets l'eau ou tu mets les graines? Graines et fertilisants, moi. Vas-y, moi je mets l'eau. Et l'eau. C'est trop stylé, hein. Non, mais parce que moi j'ai beaucoup d'eau, moi. Ah non, on peut pas. Ah oui, t'as vu? J'ai récupéré. Oh putain, t'as posé les lumières. Oh putain. On peut récupérer les lumières ou pas? Trop de ceci dans cette zone. Il y a trop de ceci dans la zone, hermano. Ça te dit quoi? Il y a trop de quoi? Trop de ceci. Oh putain, merde. S'il vous plaît, attention à pas récolter là-bas, s'il vous plaît. Attendez. Et si maintenant on attend que ceux-là là-bas ils se terminent? Oui, je pense que là ce sera bon. Mais du coup, on a perdu 4 lumières. Du coup, c'est 15 par 15. Il nous reste des lumières?
Ouais. Oui, 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 il nous en reste un peu. Allez un peu plus loin, peut-être 100 mètres plus loin. En vrai, je pense que c'est il partait loin. Moi, je me rappelle, il partait loin quand même. Il me reste pile 4 lumières. Ok, bah tiens, bah, on fait deux équipes et toi, tu pars faire une deuxième fourdée. Vas-y, bah il me faut des. Tiens, Herbado, tiens, Herbado, tiens, Herbado. Merci. Moi, j'ai deux pots là. Ah, merde. Il me faut des tiens, bouteilles. Il me faut des bouteilles. Qui part avec lui? Attendez, il y a Gustavo qui m'appelle. Fouillez-moi si jamais, il me reste du fertilisant. Bah, oui, Gugus. Je suis en train de faire pousser, mais je peux me libérer. Ouais, ça serait cool quand on voit une pause et tu viens récupérer ça. T'as de quoi stocker ou pas? Oui, j'ai. Ouais, ok, ça marche. Bah, sois prêt, je vais t'envoyer une pause, je vais pas t'aller. Super, j'attends d'art. Tout de suite. Qui veut le deuxième pétard du coup? Tiens, Santi, tiens, je te passe le reste. Tiens, Santi, toi tu m'enlèves, ok, toi. Mais j'ai une attelle au bras. Ça rien que tu me donnes. Ok, tiens, toi, mais toi, bon, de toute façon, au moins, on a un pétard en moins, c'est réglé. Quoi? Ah, mais il a pas de place. Mais tiens, Rio. Non. Pourquoi tu regardes en me donnant ça? Hein? Tiens, Hermano. Jure, on est mort. Fais-en bon usage. On a que 11. J'ai 16. Je suis maintenant le réfé. Non, j'en ai un, moi aussi, connard. Ah ouais? Ouais. Je suis trop content, c'est trop beau, je vous jure. Putain, oui, trop bien. C'est trop bien. J'ai envie qu'après, on paye des gens pour qu'ils fassent ça pour nous. Bah, je pense que c'est ce qu'on va faire. Oui. Parce que ça met combien de temps à pousser, Rafi? 15 minutes, à peu près. Tu vois, genre, on paye des gens, ils font ça et voilà. Merci, Skoulari FCB. Merci, c'est mon frère. C'est beau quand même, hein. Par contre, Jamal, il a cru que j'étais sa pute en fait, lui. Quoi, t'as dit quoi là? Il m'a appelé, il m'a dit ouais, j'aurai une mission pour vous demain. C'est bien. Ta mère. Comment ça? Des quêtes secondaires. Non, moi je vais d'abord savoir ce que c'est. Si m'envoie des trucs de merde, genre. Si, frère. Va faire ça pour moi, je suis pas ton petit, tu vois, faut pas abuser non plus. Merci, Pimpin. Oublie que c'est les Blues, hein. En fait, j'en profite tant qu'on n'a pas dit qu'on était des vagos. Si, ils le savent. Mais s'il faut revendiquer, ben ouais, on bosse plus avec eux. Hier, ils ont revendiqué. Y'a Gustavo qui va m'envoyer une position, je vais récupérer de la coque, je la mets directement au loco. Au coffre. 200, c'est ça? Oui, 200. 200, tu sais que ça va nous mettre le bien ça, mais il faut qu'on trouve 200, des ventes. 200, ça nous fait 24 000. 200, quoi, en fait, mais non, ça nous fait plus. Mais t'es fou ou quoi? 100, ça fait combien ça? 200 fois... On la vend combien la coque? 240. Entre 240 et 260. 48 000, Hermano, minimum. Putain. En fait... Ça serait trop bien qu'on soit plus. Mais non. C'est ça notre charme. Pourquoi? Parce que, en fait, je t'explique. Ça a toujours été notre charme de ne pas être vraiment beaucoup. Et juste, on est incompris. Ok? Parce qu'après, quand on est trop, faut occuper tout le monde. D'ailleurs, vous avez vu, Paola, elle est partie. Pourquoi? Ça, elle est partie. Oui. Mais en échange, j'ai pensé. Il n'y a jamais eu de Paola ici. Hein. J'ai pensé à recruter une nouvelle meuf dans le gang. C'est qui? Comment? Je vais vous la présenter. Attends, j'ai mis le parallèle. Merci Lucas. Hola. Kouroukou Samira. Si, ça va quoi Ravière? Oui, ça va et toi? Si, ça va. Dis-moi, quoi, là? Dis-moi Samira, je voulais te dire, tu es heureuse et épanouie avec Rokina? Bah, je sais pas trop Ravière, pourquoi? Peut-être tu pourrais venir avec nous. Comment ça, avec vous? Bah avec nous, mon nouveau groupe. Un nouveau groupe? Ouais. Attends, tu me demandes de trahir les Rokina? Oui, c'est ce que je te demande, mais si tu en as envie, bien sûr. Je sais pas, Ravia, c'est compliqué là, ce que tu me demandes. Oui, c'est vrai. Tu sais que Fabio s'est fait arrêter là? Arrête. Si, il est en prison, je sais pas, on n'a pas de nouvelles, mais... On sait pas, il s'est fait arrêter tout à l'heure par les flics, on n'a aucune nouvelle. Mais oui, il faut que tu quittes le navire avant que ce soit finito, Hermana. Je sais pas trop, Ravia, ok? D'accord, je suis en train de réfléchir. Oui. T'as vu, tu me présenteras ton groupe? D'accord. Un peu plus grand. Ok, vas-y. Super. Il faut encore deux étapes. Par contre, c'est trop beau. Je te jure, vraiment. Et pourquoi elle pousse moins? Et parce que, en fait, elle est au milieu, je pense. Non, parce qu'on les a mis après, en fait. Ah, vraiment, ah oui. Au moment où on les a mis. Mais pourquoi t'es vraiment trop. Merci, Lucas. Tu connais beaucoup. Herman, mon père, c'est. Je sais pas, trop ton père, ton père, c'est un trou de balle, ton père. Tu l'aimes pas connu, ton père, il était mort avant. Ouais, je m'en bats les couilles, alors j'ai. T'as mis ton argent, t'es en train de t'apprendre. Écoute, j'ai joué à GTA. Quel rapport? Ben, j'ai appris à faire pousser sur GTA. Donc, comme ça, au moins dans la vraie vie, je sais le faire.
Hermano, dans San Andreas, on peut pas encore. Oui, on ne pouvait pas, je me rappelle. Si, il y avait Lucas le BG. Merci, mon frère. Yo, mode, man. C'est pas possible, Hermano, on est en 2012. Si tu veux pas au courant. Yo, man. Comment ça, on est en 2012? Bah oui, c'est GTA 5, c'est sorti en 2012. En 2013. Yo, man. N'importe quoi, mais. Oui, mais. Comment ça, GTA 5? Quel GTA 5? Ah oui, il va sortir là bientôt. Il est sorti aujourd'hui. Mais nous sommes en 2023. Alors? Ben si, les années elles passent. Ben si, parce que regarde, quand je prends mon téléphone, il y a marqué on est le mercredi 22 février 2023. Tu trouves pas ça bizarre que Miguel, Lorio et tout sont morts en 2022 et nous on est en 2023 et on a 20 ans. N'importe quoi, c'est pas mort en 2022. Je crois qu'ils ont trop pris de coque, ces fils de pute. Ils sont pas morts en 2022, qu'est-ce que tu racontes? Mais ils sont morts quand alors? Ils sont morts il y a 20 ans, c'était en 2002 à peu près, un truc comme ça. Non, 2002, ah, 2003, et comment t'expliques qu'ils avaient des reblas en 2022, en 2001 Et des iPhone 13. Mais où vous avez vu ça? C'est des preuves de ça? Oui, dans les journaux et tout, oui. Mais en fait, j'ai l'impression. Dans les journaux, j'ai l'impression. Oui, Lorio, il avait un rebla. C'était les ennemis publics de Liberty City, trou du cul. Quoi, des reportages et tout. Mais t'as vu, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est vraiment comment tu es trop con, connard. Ah, mais je pense que le soleil. Je pense que. Moi, j'ai une théorie. Vas-y. Je pense vraiment qu'en gros, vous avez vu SNK? Oui. Et ben en gros, on est un peu comme dans SNK, tu vois. On est dans l'île avec les titans, sauf qu'en fait, notre île, c'est comme une petite planète avec un petit soleil. Et je pense qu'on n'appartient pas au même monde que dans la vraie vie. Si, c'est le vrai monde ici. Arrêtez de croire vos conneries. C'est notre vrai nom à nous, notre vrai monde à nous. Tu connais l'allégorie de la caverne? Non. Tu connais pas? En gros, non. C'est... putain, je sais plus, je crois que... Non, c'est pas Aristote, c'est... Bon, on s'en fout qui a créé ça. En gros, c'est un homme, il a raconté une histoire, et il disait qu'en fait, il y avait trois hommes qui étaient enchaînés dans une caverne, à l'intérieur d'une caverne. C'est Platon, ça vient de me revenir. Et en gros, ces trois hommes... Tu m'écoutes, hein, Rio? C'est vraiment intéressant, je te parle sérieux. Je te jure que je t'écoute. Vas-y, j'écoute. Ok. Et en gros, ces trois hommes, ils sont enchaînés dans une caverne, tu vois. Et tout ce qu'ils voient, c'est un mur qui est en face d'eux. Et derrière eux, il y a un feu. Eux, ils peuvent pas regarder derrière eux. Ils peuvent regarder qu'en face. Mmh. Et en gros, il y a des hommes qui viennent et qui font des ombres par rapport au feu. Et eux, ils peuvent voir du coup le reflet des ombres sur le mur qui est en face d'eux. Oui, ok. Tu vois, oui, et je vois. Toute leur vie, ils ont grandi comme ça en étant persuadés que c'était ça la réalité. Tu vois, toute leur vie. Parce que eux, ils ont vu que ça. Sauf que à la fin, il y a Platon qui arrive et qui en sort un. Il en sort un et il veut pour lui montrer la vraie vie. Ben le mec, il est reparti dans la grotte et je crois que il est reparti dans la grotte. Il a dit la vérité à ses deux compagnons de grotte et ils l'ont tué pour pas avoir à affronter la vérité. Non, c'est une dinguerie ça par contre, vraiment. Oui, vraiment. Merci, c'est incroyable, merci, je sais vraiment. Je connais pas cette histoire. Et tu penses que nous sommes comme ça aussi? Hein? Peut-être. Ben, je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a plein de trucs qui sont bizarres et qui sont pas cohérents. Exemple, hier il m'a tiré dessus 50 balles et je suis pas mort. On dirait comme si on avait un soleil à nous, tu vois, et que le temps, il y avait un temps spécial que pour nous. Ou peut-être que, parce que moi j'ai pas de science, moi quand je pense à ça, je pense au Truman Show, tu connais? Oui. Merci Tino, merci mon frère Tino, bien sûr. Voilà ma référence à avec moi. Bruce Willis. Peut-être. Niquez vos mères, j'ai pas Bruce Willis. C'est Jim Carrey. Oui. Niquez vos mères. Peut-être que c'est comme le Truman Show. Toi t'as des rêves de Platon. Moi j'ai des rêves de Truman Show, tu comprends? Oh mais c'est quoi vos rêves de fils de pute là? Mais j'ai regardé une vidéo qui parlait de ça, j'étais choquard. Je me suis dit putain de merde. J'aime bien m'instruire. C'est bien. Après là tu vois moi, ce que je pense c'est toute cette drogue, c'est ça qui m'intéresse moi. Là je m'en bats les couilles qu'on soit sur une petite planète, qu'on soit Platon, fils de pute. Je suis là, moi je fais de la drogue, on est bien ici. Ce que je sais, c'est qu'on a de l'argent. On va avoir de l'argent. Mais ici, la prochaine fois que je vais faire de la drogue, je vais ramener une meuf. Comme ça, moi, je peux parler avec elle pendant ce temps. Ok, il m'a envoyé la position de pas loin. Je vais la récupérer, d'accord? Je reviens. Vas-y. J'éclate toutes les plantations. Tu sais, je pète un câble. C'est marrant. Il fait lui d'un coup là.
Ça serait trop marrant que IRL, c'est pas ce que j'y crois hein, mais juste, je dis juste que ça serait trop marrant hein. Faire un disclaimer. Ça serait trop marrant que IRL, nous, on soit nous-mêmes des gens qui se font contrôler par des gens qui jouent à GTA RP. Mais non, dans une dimension au-dessus. Et Zarma, moi, il a fait une carrière de streamer. Et genre, quand moi je dors IRL, et quand moi je dors IRL, ben lui il va faire sa vie, tu vois, il lâche un petit peu. Et là, t'as vu, moi, mon ce bâton. Merci Jawad. Je parle à mon stream, t'es con ou quoi? Merci Jawad. Non, t'inquiète. Et Zarma, quand je dors, lui va faire sa vie. Et là, t'as vu, pendant mon ce bâton, il s'est dit nique sa mère là, il a quitté son job. Aïe. Il a quitté son job, il s'est dit nique sa mère, je vais geeker pendant deux semaines là. Bref. Franchement, le mec qui me contrôle, il se fait chier, il est trop nul. Ouais, là, ils sont pas très forts aux jeux vidéo, sa mère. Il a dit. Attends. Merci Louis! Ah, c'est derrière Cryptover, je crois. Non, mais les gars, je suis trop fatigué, hein. Hola! Ça va, Colavir? Ça va, les hermanos? Ça va, tranquille. T'es tout seul là? Oui. Tu as un coffre ou pas? Ouais, ça va. T'inquiète pas, hermano, j'ai toute la force du monde. Ok. On m'appelle Hercule. Chose due, hein, t'as quasi 54 cam là. Super. Prends dans les. Pour donner lui, les gars. Ouais. Okay. Et ouais, Cynthia. Ça va, t'as eu ton gun du coup? Oui, j'ai eu mon Beretta. C'est bien. Bah voilà, bâton, mais c'est une bonne chose. Tout le monde est gagnant, vous avez eu ce que vous voulez de Bradley? Non. On a pas eu ce qu'on voulait, mais bon, on est sorti quand même gagnant. C'est quoi que vous vouliez? Vous le célébrer le titane? Ouais, c'est ça qui m'intéressait. Ils ouais, en avaient putain. Pas, du coup. On... Ils avaient pas de gun non plus. Merde. Ils avaient rien, ils sont pauvres. Non. Ils avaient pas de gun, tu leur as pris avant. T'étais plus rapide. Ouais, t'as pris je leur ai fait un coup de Trafalgar. Ils ont dit, ouais, mais tu te rends compte, la vieille, il a pris notre arme, nous on va pas. Ah oui, parce que vous êtes partis les voir après. On les avait encore son gars, tu vois. En fait, on avait son gars. Oui, après moi, non, après moi. Vous êtes partis les voir? Non, on l'a eu là au téléphone. Ah, juste au téléphone, ok. Du coup, on a pris ce qu'on avait appelé, on est voilà, tu vois. Bon bah super, bon. Si vous êtes content, non. Je suis content. Écoute Ravir, si t'as d'autres petites missions comme ça, sache que les quantités feront augmenter. Bah c'est toi qui m'appelles, tu me dis, je fais. Écoute, on va y réfléchir pour toi et en tout cas, passe une bonne soirée, amuse-toi bien et fais-toi des bonnes couilles en or avec cette... Merci beaucoup. La Oro Blanco, une des meilleures coques de Los Santos. Hein. Super, la super. La meilleure. Merci les hermano. Pas de problème. Au revoir. Au revoir. Je pose 200 de coke dans le coffre des locaux. Ça met bien ça. En vrai, là ce soir, on a eu v'là la coke. Du coup, ça va nous faire v'là l'oseille. On a un pétard. En vrai, c'est big, hein. Faut pas que je me fasse arrêter par contre. On va rouler tranquille. On va rouler pépère. Je vous dis pas que là. On est Géchard. On roule PPR, pas trop les hubs, on évite les contrôles de police. Poto, on n'est pas sous Jack à 2 20 cette fois. Merci Elias 9-2. Merci mon frère, putain pourquoi je passe par là? Non c'est Tatou, c'est une rue d'avant. Merci c'est Valou. Merci mon grand. C'est là.
retiendrai jamais, je m'y ferai jamais. Faudrait que je me mette un blip. En plus, je peux me mettre un. Aïe, je peux me mettre un point. Il les a pas posés encore? Merci, E-Boy. Merci, mon frère E-Boy. Changement de voix. Putain. Franchement, tu chantes super bien, je suis choqué. Oui, c'est vrai. Tu sais que là, on attend que ça là de vendre là. Oh, Javier, donne-moi ton numéro, Seigneur. Attends, putain, merde, comment je faisais pour l'agrandir un casier déjà? Hein? Fatigue sur 10? Je suis éteint. Éteint? Je peux m'asseoir dessus si besoin. Ouais, c'est bon. C'est vrai que toi, tu en as de l'espace de stockage. Oui. Attends, d'or. Il faut que j'apprenne à clic droit gérer l'action. Oh. Je suis trop fort. Super. C'est bon, j'ai posé. Ne prenez pas trop si vous faites attraper, d'accord? On va ramener encore. C'est bon, j'ai tout vendu, je te merci Elias 92. Merci mon grand. Rio. Oui, Rio. Allo, allo. Oui, tu m'entends, Dar? Ouais, je t'entends, je t'entends. T'es toujours au même endroit? Pareil, ça y est, c'est bientôt fini, là. J'arrive. Vas-y. Merci, Floda King. Merci, les petits bouts de chou. Demain, il n'y a pas de match. Match demain. Non, demain, il n'y a pas de match. Et demain, je fais une grasse matin. Demain, je vous préviens, là, je vais dormir, je mets pas de réveil. Hein. Non, mais pas... Parle pas du foot, bande de cons, putain. Parle de la job life. Tu fais encore combien de jours? Bah je crois que ce bâton il se termine mon frère. En vrai la date limite c'est le Brésil. Mais si jamais ça s'est pas terminé au Brésil, bah quand je reviens je continue le bâton frère. C'est fatigant les mecs hein. C'est fatigant, j'ai toutes mes actions en pause. Récolte les 4 là et faut attendre celle-là. Parce qu'on a plus de place. Ouais. Évolutionne, c'est bon. Évolutionne, c'est bon. Tous celles-là sauf elle, à la rigolage. Les lumières, on peut les récupérer ou pas? Non. Juste enlève les parcours, comme ça. Enlève pas pour l'instant. Pourquoi? Je sais pas, Hermano. C'est jamais. C'est bon, c'est bon, elle a fini celle-là. Eh, si vous voulez, on pose le reste, non? On va direct au labo, non? Mais non, mais si vous voulez, là, on en fait quand le temps qu'on aille au labo, non? Comment ça? Bah là on met d'autres pots et tout. Ah, etc. On a? T'as ce qu'il faut? J'ai un pot. Moi j'ai 10 pots, j'ai 21 graines. Ouais. Non, Armano, je pense que ça suffit. Eh, on a déjà beaucoup de trucs à vendre, on a 200 coques et tout. Hein. T'es sûr? Oui, sûr. Vas-y. Comment ça, je supprime? Comment ça, je supprime? Ok, c'est où le labo? Faut que tu viennes mettre le point. Je te mets le labo? S'il te plaît.
Mais on n'a pas les pochons. Donc là, on prépare la coque, là, je crois. Ah, il nous faut des pochons. Ouais, mais on... je sais pas c'est qui les a, mais... C'est Paolo, il en a 330. Non, mais le temps qu'on arrive aux pochons, on... ils nous rejoindront là-bas. C'est là, je t'ai mis. Mais non, je pense qu'il faut, il faut avoir les pochons pour faire... On va avoir certains pochons. Paolo, c'est... Vous pouvez l'appeler? Vous pouvez demander où il s'en... Ouais, vas-y, je l'appelle. Vas-y. Fatigant pour que tu aies 200k. Abuse pas. Frérot, des fois tu peux faire des trucs, ça peut te rapporter 1 milliard d'euros. Ça peut être fatigant. C'est con ou quoi, lui? Je suis pas en train de me dire... Ouais, Paolo, tu peux nous envoyer senti ou toi... C'est plus fatigant toi, qu'un travail où je me casse le dos, frère. C'est con ou quoi? Juste, je suis en manque de sommeil. J'ai le droit d'être en manque de sommeil, bordel. Ouais, ça va. En vrai? Ouais, ça va. Tu fais quoi? Vas-y, bah c'est bon, si vous êtes quasiment à 5, c'est bon. Si, vous, okay. si c'est long, on voit quelqu'un. Bah regarde, quand vas-y. T'as fini, tu m'appelles. Moi, je finis mon truc. Du coup, vas-y, je peux y aller. Date. Ils ont bientôt fini, là, ça y est. Okay. Ouais, t'as dit quoi? Genre là-bas. Je vous ai tout mis les infos nécessaires sur Discord. Là, tout à l'heure. Discord? Tu l'as, l'application Discord? Non. Tu recharges. J'ai créé un groupe sur Discord. Je te rappelle. Je connais pas Discord, moi. Oh, tu si, pas... tu connais Discord. Comment tu connais pas Discord? Skype. Donc, on a Twitter, on a Instagram, on a tout, et tu connais pas Discord? Non, je connais pas Discord. Je connais Twitter, je connais Instagram, je connais Snapchat. Tu connais WhatsApp? Je connais WhatsApp, mais je connais pas Discord. Ah, oui, bah moi, du coup, c'est sur l'intranet, sur WhatsApp. Donne-moi là, ton mail, @discord. Là, je comprends. Merci, boy! Merci, mon frère. En plus, le pire, c'est que c'est Raphaël qui disait tout le temps. Mais pourquoi on parle pas Discord? Pourquoi on dit tout le temps WhatsApp? C'est pas hermano. Ok. Merci. J'ai voulu te répondre, j'ai voulu hein, mais... Non mais allez vous faire enculer, mais en fait j'ai compris. En fait faut que je sois méchant pour que vous me répondez. Répondiez. Merci Iboy. Et alors, bande de fils de pute. Tu ne seras pas comme ton père. Nique ta mère. Tu ne seras pas comme ton père. Nous avons aucun respect envers toi. Si, on a du respect, mais du respect en termes d'amitié, quoi. Fraternel, fils de pute, t'as dit quoi, toi? Ton père qui a aboyé, ce fils de pute. Pourquoi t'as insulté mon père? J'ai pas insulté ton papa. Vraiment, le plus vaillant de nous tous, son père, c'était Guero. Ouais, c'est vrai, c'était le plus loyal. Merci Nifos. Merci encore Iboy. Merci ma petite chatte. Pourquoi tu veux qu'on soit combien, toi, Rio? De quoi? Tout à l'heure, tu nous disais que tu voulais qu'on soit plus. Tu veux qu'on soit combien, 15? Non, t'es fou, toi, ça pue sa mère, ça. Non, oh, genre, mais... une ou deux personnes en plus, tu vois. Mais je te jure que là, en fait... Parce qu'en fait, je pense que ça va poser problème, Boudin, vous allez voir. Hein. Oui, mais... d'être trop... Si, en plus, vraiment... Non, moi, j'aime pas être trop. Non, d'être 15, ça pue sa mère. Genre, juste une ou deux personnes, grand max, en plus, c'est bien, tu vois. Parce qu'en fait, il suffit juste qu'il y en a genre... Trois qui sont pas là, bah on se retrouve à deux. Non, mais donc non, c'est nul. Non, mais je te jure que non. C'est où? Et là que t'as les meilleures missions. Tu peux pas me dire si tu parles d'ici. C'est où? Merde, attends. Ah, si, je m'en rappelle. Tu te rappelles, c'est ici, oui. En fait, t'as vu, pour nous les vagos, c'est bien. Je te jure que c'est bien. Parce que t'auras toujours des missions, tu vois. Oui, c'est derrière là-bas. Oui, je sais, mais je me garde pas devant. Trop plus d'habitude. Cours pas. Tu comprends? Attends, hermano, d'abord on vérifie, on regarde ce qu'il y a par les keufs. Il peut y avoir d'autres groupes aussi, hein? Non, il y a que les Hoover et il a dit il faut pas venir tout ça parce que les Hoover ils vous baissent. Je t'ai dit, les Rokina ils viennent faire ici, ils vont nous baiser aussi. Mais ils font du crack du coup, les Rokina? Oui, hermano. Ah si, c'est Valou! Ok. On est sur la route. Vas-y, rentrez avec les pétards au cas où. Pourquoi ton pétard il est plus beau que le mien? Moi c'est un Glock. Fais voir ton pétard, Miguel, s'il te plaît. Braque-moi avec. Non, c'est Javier, moi. Javier. Ok. Montre-toi, Rio. Il est un Beretta. Un Beretta, moi. Encore celui-là, okay. Il est beau, ton Beretta. Bon, du coup, vous voulez qu'on fasse laquelle? Non, viens, on fait la première étape là pour tout le monde. Il faut des feuilles là. Toi, va poser, il y a un coffre là-bas. Il y a une armoire. Va poser. Pourquoi je vais poser? Je parle à Rio parce qu'il a plus de place. Merci S92. Mais attends, mais il y a plein de trucs bizarres. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il m'a expliqué. Mais j'avais pas ça moi quand j'ai fait moi. Alors je vous explique. Alors Bishop il nous a montré.
Donc là, c'est tout l'état de crack différent. Ça se revend tous pareil. Okay. Nous, il faut qu'on ait du tactile avec nous. Nous, il faut connaître notre marque à nous. Vous voulez quoi? Ok, déjà, j'ai fait du tas de crack, on est d'accord? Oui, tu fais un tas de crack. Après, avec le tas de crack, tu fais des sachets de crack. Et après, tu fais. Sachets de crack, on n'a pas de sachets là, ils arrivent. On n'a pas de sachets, c'est pour les pochons qu'on a besoin de sachets. Exactement. Et après, on choisit laquelle on veut. Vous voulez laquelle? La Blue Dream, la Pure Amnesia, la Shiva, la Snow? Ça change rien à niveau prix? Ça change rien, absolument rien. Mais c'est pas juste... c'est pas ça avec les. Non, mais si, c'est ça. Le petit ingrédient surprise. Oui, dans chaque truc, il y a un ingrédient surprise. Oui, voilà. Donc si, ça se revend plus cher. Non, mais t'as pas compris ce que j'ai dit. La marque. Non, la marque, tu la marques après. Toi-même, sur ton sachet, que tu racontes, toi. Putain, en gros, il a raison. Tu fais du tas de crack manipulé. Oui, après, Paolo. Tu fais sachet de crack. Après, tu fais les pochons de crack. Comment tu sais que je disais ça, fils de pute? Attends, répète. Vas-y, viens. Paolo, il a dit qu'on disait de la grosse merde. Oui, c'est toi qui dis de la grosse merde. Comment on fait, il a dit. Je crois que les trucs inconnus, c'est, si jamais t'arrives à mettre les bons 5 inconnus, eh ben ça te fait de la pure amnésia. Et après, si tu mets les bons inconnus, ça te fait de la Shiva Crack, la Snorrider. Mais c'est la même, c'est parce que je vous dis, c'est pareil. Mais non, en gros, je t'explique. S'il te plaît, écoute-moi, Lorio. En gros, là, tu fais des tas de crack manicurés, ok? Ensuite, si tu as l'ingrédient secret, tu fais la Blue Dream ou la Pure Amnesia. Et si tu n'as pas l'ingrédient secret, tu fais le sachet de crack normal. Et après, tu fais le pochon de crack. Ça me paraît plus logique, oui. Ok. Parce qu'il ne nous a pas expliqué comme ça, c'est pour ça. Moi, je sais non, pas. Mais c'est... Moi, je suis bête et discipliné. Moi, je répète ce qu'il m'a dit Bishop. Comprenez? Je connais pas tout ça. Je comprends que tu es un con, c'est vrai. Tu es un con, Rio. Non, je ne suis pas un con. Mais c'est pas de ta je faute, suis un mec Rio. Qui ne me connaît pas dans la drogue. Rio, c'est pas de ta faute, Hermano. Je sais pas d'où vous sortez cette science dans la drogue. C'est de la faute à ton père. C'est génétique, Hermano. Je comprends pas. Vous êtes là. Oui, je connais, moi. En fait, tu fais ça. Où vous savez ça, bordel de merde? Le trou du cul commence à faire des tas de crack là. T'attends quoi? Lorio? Attends, mais tu fais rien depuis tout à l'heure? Rien, la vie même mère. Mais attends, mais il a dit qu'il fallait pas faire ça. Il faut faire que des tas de crack, il a dit. Ben, c'est ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on fait. Fait des crack. Attends, je pose tout. Il est vraiment con. La vie de ma mère, il est vraiment con. J'en ai connu des cons. Mais des comme lui, il n'y en a pas deux. C'est une merde. Après, il faut qu'on fasse du tas de crack manicuré. C'est ça? Ouais, en gros, tu fais tas de crack manicuré. Et après, quand on a les sachets, on fait les sachets de crack. Et après, on fait les pochons. Pour le moment. Et fils de pute, c'est ça justement que je t'ai dit. Paolo, il a dit, vous dites de la grosse merde, faut pas faire ça. Mais s'il te plaît. C'est ce qu'il vient de me dire, mais Paolo. Hermano, c'est logique. Non. Regarde, on fait tas de crack, avec tas de crack, on fait des sachets, avec les sachets, on fait des pochons. J'sais oui, pas. C'est ce qu'on a mais dit. C'est... Paolo m'a appelé, m'a mais dit, non, vous dites mais de la grosse merde. Mais non, c'est toi, tu disais de la grosse merde. Mais dis-moi pas, c'est moi, je te dis Paolo. Tu connais Paolo. Paolo. Il va dire que c'est toi qui disais de la grosse merde. Moi, j'en ai déjà fait, c'est ça qu'il faut faire. Bah oui. Alors, attends. Attendez, je fais pipi sur la table, Raptor. Il est en train de faire pipi ou on est en train de faire du crack? Oui. Eh ben. Oh, peut-être que c'est un ingrédient secret. On va faire la crack. La crack. Donc là, on fait un tas. Pour moi aussi, c'est logique premier, de faire. Tu fais c'est logique de faire 1, 2, 3. C'est logique. Ben voilà, mais Paolo, il m'a appelé, il m'a dit mais non, tu dis de la grosse merde. Non, mais parce que tu disais, oui, après, tu mets l'ingrédient secret et tout, c'est pour ça. Non, j'ai pas parlé de l'ingrédient mais secret. Moi. Oh là là, par pitié, on a aidé à te le dire. Ok, maintenant, il nous manque les pochons pour faire les. Non, en fait, tu peux faire les sachets, Javier. C'est les pochons qu'on peut pas faire. Comment on fait les sachets? C'est bon, il nous manque les pochons, ce que je dis. Oui, bon, prenez sur moi parce que j'ai plus de place, moi. Eh ben, il y a le coffre là-bas, va poser. Ouais, pose dans le coffre. Attends, bouge pas. Vas-y. Ok, super, va poser. Pose-moi aussi. Je suis commencé à faire des. Attends, mais j'ai que 5 sachets de crack, c'est pas beaucoup, non? Tu viens, tu peux en faire 5 là. Tu peux faire 50 pochons là déjà. Oui, en gros, nous on fait des pochons de crack basiques et après, oui, si on veut tenter des trucs, et ben on tente avec autre chose. Mais c'est pour vraiment faire que des pochons de crack. Ok, mettez-moi tous vos. Tous vos sachets de crack, comme ça je craft ça en. Je suis en train de faire les pochons là. T'as les gars, laissez-moi de la place. Moi, attends, petit. Là-bas y'a pas de place là. Et toi, dessus, debout sur la table. Ok, là, un truc. En vrai, c'est trop bien, les gars, ça. J'ai envie de savoir du coup que les autres ils se vendent comment. Les gars, y'a de la place ici. Attends, il faut 10 sachets pour un truc. Mais non, tu fais 10 pochons.
Avec 10 HD. Oui, mais je veux dire, là, il m'en faut 10, quoi. Il m'en faut 10 à chaque fois. 10 par le bah oui, 50. Il t'en faut 50. Oui, mais ça m'en donne 10, là. Là, j'ai réussi à en faire 10. Bro, les gars, en gros, vous avez pas de place, il y a de la place ici. Non, c'est bon, t'inquiète. En gros, écoute, la feuille, elle te ramène 5 tas de crack manicurés. 5 feuilles, ça ramène un tas de crack. Le tas de crack, il te ramène un sachet. Et avec un sachet, tu fais 10 pochons. En gros, 5 feuilles, ça fait 10 pochons. Voilà, c'est comme ça qu'il faut compter. Ok. Moi, je sais, la Snow Rider. Ah, mais tu te dis Blue Dream, ça s'appelle Blue. Il doit y avoir un truc bleu, du coup. Moi, je pense que ça n'a rien à voir. Mais tu sais qu'à tout moment, ça, ouais, au lieu de se vendre 200, ça doit se vendre 400. De trucs de fou. Putain, ouais. J'ai trop de trucs sur moi, ça me casse les couilles. Gaffe, fais gaffe, parce que tu peux faire rater les trucs. Hein, il a failli me faire tout vous renverser. T'as dit ça d'une manière trop mignonne. Qui, moi? Ouais. C'est vrai, j'ai failli tout renverser. Vous n'avez pas assez d'état de crack. Ok, et là je fais les pochons. C'est ça. Mais c'est normal, j'étais trop rouge, je portais un vélo et un skateboard. Tu me pousses, je te tue. Ah, je t'ai poussé alors. Ouais. Arrête. Sur arrête, le labo. Je vais donner à qui les sachets? Mets-les dans le coffre là-bas. Je suis plein. Moi, je suis celui qui fait. Oui, les pochons. Moi, je t'ai pris les pochons. Hop, là, tiens, hop, je les emmène là-bas. J'en fais aussi, Javier. Mais mets les pochons, je les emmène là-bas. Donne les pochons à Javier direct. Non, mais non. Ça, c'est toi qui m'as pris? Oui, c'est moi, je l'ai pris, je les mets dans le coffre. Toi aussi, tu m'as pris du crack là? Je sais pas, on m'a pris un sachet de crack. C'est Paolo, il a tout pris. Paolo, tu m'as pris un sachet de crack? Non, arrête, j'ai pas touché au sachet, j'ai pris que les pochons déjà finis. Oui, tu m'en as pris des pochons, on est d'accord? Oui, j'ai pris que les pochons déjà finis. Toi, je t'ai rien pris. En vrai, ça va, c'est trop bien. Putain. Mais il faudrait que quelqu'un surveille pour que vraiment il peut y avoir des gens qui viennent et qui nous niquent nos races. Par contre, j'arrive pas, je dois les faire un par un vraiment. Non, oui. Parce que c'est les multiples des 10. En fait, en gros, tu. Combien de pochons t'as? Attends, je vais te dire combien tu peux en faire là. Là, t'as 3 sachets de crack. Là, tu peux en faire 30. Ah, 30 sachets de crack là, tu marques. Tu prépares. Oui, là. Combien là? 130. Ah, j'ai compris. Putain, on peut pas faire une tête roi pour craft plus vite? Non, malheureusement non. T'as compris ou pas? Oui. Oh, pardon. Refais ça, t'es mort. T'as pas arrêté. Arrête, t'es pas avec toi. Pourquoi tu t'es retourné comme ça pour lui dire ça? Un coup de pression de bâtard. Je prends. Avec un bisou, rire. C'est bon. 4. Il y en a combien, je crois? Non, 150, je crois. Ah, vas-y. Oh, ça veut dire. En vrai, on est trop bien. 170. Est-ce qu'on a 200. Pas des ingrédients sur nous? Je peux essayer avec du pain? J'essaie. Imagine, je trouve la Yoda Yeti. On a plus de sachets là? Ça y est, on a plus rien? Si, si, on a encore. Allez, fabriquez. T'as des sachets sur toi ou pas, amigo Javier? J'ai plus rien, j'ai plus rien. Prends juste les sachets, pas l'état. Il me reste une feuille de coke, quelqu'un veut? Attends, je vais récupérer moi les... T'as des sachets, Hermano? Je suis en train d'en faire, là, j'en ai deux. Tiens. Y'a les cops. Quoi? Ok, ils parlent de la fête foraine, je crois, ils vendent. C'est pas chez nous. C'est la fête foraine. Javier? Oui. Attends, vas-y, viens. Donne-moi en. Prends. Prends. On va envoyer des sachets? Prenez. Je peux plus rien prendre. T'inquiète, moi j'ai grand dos. Voilà, j'ai pris le maximum. Je suis la bulle, après je vais tout faire rentrer dans mon cul. Après, nous faut...
En vrai, il nous faudrait un petit local ici dans le nord, serait bien. 3 km. Allô ? Ouais, ça vaut quoi, c'est qui ? Ah ouais, Shadow, ça dit quoi ? Ouais, ouais, tranquille, tranquille. Attends. Non, là, je suis occupé, pourquoi ? Est-ce que j'ai le temps de regarder le rewind de Twitch ? Parce qu'il y en a, ils m'ont dit que j'étais dedans. Ouais, ouais, c'est ça. Donnez-moi des sachets de crack. Je crois que ça y est, on en a plus. Si, si, attends, je suis en train de... Non, non. Merde, je te remets, arrête de stresser. T'es moniteur ? Jure, je fais ça à combien ? Personne a des sachets là, c'est bon ? Moi, je suis intéressé. Non. Ouais, vas-y, je vais en parler au gars avec moi. À crash. Eh, c'est qui t'appelle ? C'est Shadow qui te parle du permis, moi aussi je suis chaud. Ouais. J'ai déjà un deuxième qui est intéressé. Moi aussi je veux le permis. Moi aussi je veux le permis. On lui achète. C'est bon. Ouais, c'est pas long, on lui achète le permis. Il fait des permis au black. Marina, ouais, je vois aussi, ouais, t'inquiète. Vas-y. Mais les gars, il y a jamais eu le boycott de Domingo. Ouais, t'inquiète. Des trucs. Vas-y. Eh, hey, super, il y a un gars qui va nous faire passer le permis. Il nous vend le permis. Non, Domingo, c'est mon gars. Il nous vend permis moto et permis voiture. 750, les deux. Des faux ? Ça fait beaucoup. Ouais. Non, des vrais. C'est des vrais, ouais. Mais c'est juste qu'il travaille en fait. Enfin, t'inquiète, il sait faire des trucs. C'est Shadow des Bloods. Ok, moi j'ai 180% sur moi. Attends, donne-moi, je fais la mule. Moi j'ai 10%. Moi. Bah, prends sur moi, Javier, si tu veux. Oui. Comme ça, vous me couvrez. Après, stock alarme. Bah, dans ce cas-là, je suis plus serein que tu montes dans ma voiture. Hein. Ok, super. Oui, bah, je vais monter avec toi. On a fini ? Attends, je regarde qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, je suis allé. Oubliez pas les graines, tout. Ah, hein. T'inquiète, on a. On laisse rien. On a tout pris. Non, c'est bon, on a plus rien. On marche de manière discrète. Ok. Non, hier, mais tu passais jamais dans le rewind, du coup, les gens se posent des questions. Ah ! D'accord avec moi ou pas, Rio ? Viens, j'ai une Sultan Rafi, c'est mieux. Ah. On prend la Sultan Rafi et moi, on va au quartier, prenez l'autre. Vas-y. Vous voulez prendre... Moi c'est Paolo, c'est pas Rafi. Non mais... Parce que oh, je faisais rien pour aller dans le rewind. Pourquoi tu m'as appelé ? Mais non, allez dans l'autre, vous. Mais c'est juste toi, tu m'as dit Rafi. Mais non, personne ne vous a appelé. T'as dit Rafi ? Prends l'autre, viens, prends la Sultan. Prends la Sultan, Paolo. Ah oui, Paolo, pardon, c'est moi. On bombarde. Ok, je suis sur mon téléphone, je regarde le rewind de Twitch. Vas-y, fais. Le rewind de Twitch ? Ouais, c'est vrai, tout à l'heure, j'ai regardé aussi. Je comprends pas. Le sabaton continue chez JL Tommy qui va très prochainement passer la barre des 50 000 abonnements sur sa chaîne. L'ancien record français a été atomisé la semaine dernière et si on garde ce rythme de 30 secondes ajoutées par sub, le stream risque de durer très longtemps, vu la puissance de la commu. $80,000. En vrai, c'est super bien. Oui, l'hermano. Bah, attends, bah, fais demi. Va oui, faut que j'aille poser. Vous êtes des fous, quoi. C'est trop tard. Non, fais demi. On t'a attendu une heure. Pardon. On est arrivé. Je crois qu'il est pas là. Hein. Attends, faut que je l'appelle. Qui ? Faut que je l'appelle. Shadow, pour qu'on va acheter le permis. Ok, bah attendez, au pire, descendez. Je fais aller au retour. Non, tu sais quoi, hermano, en vrai, je suis descendu. Je suis allé au loco et tout. Hein? Oui, 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 en vrai, je te jure, oui. Ah oui? Bon, non, bah oui. Non. Je peux pas aller dans une voiture, ça n'a pas de sens, ça n'existe pas. Oh la voiture, elle est transparente. Vas-y, on t'attend. Vas-y, c'est bon. Oh, vous avez de l'argent? Moi, j'ai 2 000 $, c'est tout. Moi, j'ai. C'est 750 pour moto et voiture. Et tu m'as dit que t'avais l'argent? Ouais, mais j'ai pris que. C'est bon, c'est pour toi et moi, Paolo. Parce que je pensais qu'il y avait que toi et moi, je te jure. C'est où qu'on peut t'aborder à manger ici? Mais dans des superettes, dans des restaurants. Non, je te parle pas. Dans une superette, mais il faut qu'il y ait quelqu'un. Burger Shot. Attendez, il y a ma meuf qui m'appelle. Oui, Space. Allo? Ça va, mon petit cœur? Ouais, ça va et toi, bébé? Oui, ça fait longtemps. C'est qui ça? Ça fait longtemps, pourquoi tu m'appelles pas? Parce que je suis dans des problèmes. Je suis plus un Rokina, longue histoire. Ouais, t'as eu beaucoup de problèmes, tu m'appelles même pas pour me dire les bails. Pardon. En plus, je suis en train de trouver une troisième personne pour notre troupe. Ah oui ? Dis-lui, on est 5. Ouais. D'accord, c'est qui ? Il y en a plein, faudrait que tu choisisses. On fera un casting, d'accord, ma belle ? On
fera un casting, alors on organisera le casting. Oui, ça marche. Vas-y. Gros bisous. Hey, quand est-ce qu'on se voit? Ben ce soir si tu veux. Vas-y. Super. Super. Bisous, au revoir. Bisous. Vous êtes tous et toutes homophobes. Pourquoi vous êtes moqué d'elle alors qu'elle est gender fluide? Comment ça? Moi j'ai dit viens, ça devient notre meuf. C'est même pas fait qui. Moi je connais le gender reveal quand tu sais le sexe d'un enfant. Elle choisit en fonction de comment. Gender reveal? C'est quoi gender fluide? Oui. Gender fluide, ça veut dire que l'enfant et tout. Et Hermano, c'est trop bien. Écoute, quand c'est joli et tout. Ça veut dire que c'est moi qui décide de si c'est un fille ou un garçon. C'est elle du coup, non? Sinon c'est un peu d'appropriation. Non, c'est moi qui décide, Hermano. En gros, si jamais je veux qu'elle soit une femme, elle c'est une femme. Si jamais je veux que ce soit. Vas-y, fais-la devenir un garçon là. En gros, elle est les deux. Oui, alors Soledad. Toi, vu que j'ai une voix de merde, je suis homophobe. J'ai besoin de toi. Dis-moi. On a dit que. Dis-moi mon petit cœur d'amour. Je suis avec Rico. Oui. On est ici à notre endroit là où on va. Oui. Tu avais été entendu longtemps, mais est-ce que tu as fait quelque chose? Est-ce que tu as. Ah, il n'y a pas de Yonclar. Il n'y a pas de Yonclar, hein. Tu veux qu'on crie? Il faut que tu te mettes à poil. Ils vont tous arriver, tu vas voir. T'es sûr? Tu vas voir, essaye de te mettre à poil, tu vas voir s'ils vont pas tous débarquer. Tu avais attendu longtemps, non? J'ai attendu 5-10 minutes, ils sont arrivés. 6 heures? 5-10 minutes, connasse. Sous un tunnel ou quoi? Allô? Oui, allô, tu m'entends? Je t'entends. 5-10 minutes. 5-10 minutes, ok. Oui. Ça va. Super. Ok. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. J'ai pas de pièce d'identité, moi. T'en as une, Rio? Non, mais j'écris vite les prénoms. Mets Paolo. En prénom? On peut mettre ce qu'on veut? Non mais mettez votre truc si vous voulez. P-A-O-L-O. Je peux avoir un faux et un vrai? Ouais, si t'en payes deux, oui. Ouais, si t'en payes deux, ouais. D'accord, je paye. Il va s'appeler Cristiano. Tu veux quoi? Voiture et... C'est R7, il va s'appeler. Ouais, voiture et moto, s'il te plaît. Tu vas t'appeler comment, Javier? 14 février 2023. Ronaldo comment? Rodaldo. Tiens, voilà, je t'ai donné l'argent. Pourquoi pas Ronaldo Cristiano? Non, parce que bon, c'est R9 que j'aime. Son père, il est venu à sa pièce R7, je vais l'enculer. Non, moi je préfère R9. Hop, voiture, moto. Tiens. Tu es pas comme ton père? Attends, je t'ai donné. Ouais. Je suis différent, j'ai mon propre caractère. Il s'appelle CR7. Ouais, les gars, incroyable, merci. Comment tu sais? Vas-y. Parce que c'est mon père à chaque fois, il avait... Enfin, c'est ma mère quand dans le petit mot, elle avait marqué entre parenthèses des fois. Enfin, elle m'a mis un livre. C'est un livre? Oui. D'accord. Pour m'expliquer toute la vie de mon père. Oui, je m'appelle Ronaldo Nazario, s'il te plaît. Prénom Ronaldo? Prénom Ronaldo Nazario. Appelle-moi ton N-A-Z-A-R-I-O. Nazario. Pourquoi tu lui parles comme un mongol? Je comprends. T'as naissance? Tu vois, de naissance. Rio à la fin. Ouais. D'une date. 31-02. Ça n'existe pas. Ça n'existe 2003. Pas 31-02. Ça n'existe pas. Hermano, Ronaldo Nazario, c'est pas moi non plus. Ouais, mais tu m'as dit 41. T'as dit quoi? T'as dit 41 là. De quoi 41? Bah, le jour où t'as dit 41? Non, 31. Ah, 31. 02, combien? 02. Ça n'existe pas non plus. 2000, 2003. Quoi, ouais, bah, c'est un faux de tous les bases. Tu veux quoi? Voiture? Tu mets voiture, jetpack et tout, s'il te plaît. Ok, j'ai une blague pour vous. Les Hermanos, j'ai une blague pour vous. Mais sors d'où, lui? Bah, je sors de là-bas. Vrai ou faux? L'animal national de. Écoutez! Vrai ou faux? L'animal national de l'Écosse est la licorne. Si c'est la blague de la pompote, on se bat. C'est la blague de la pompote. On va se battre. Et la réponse, c'est vrai, ce n'est pas une légende. J'ai pas compris. C'est une blague ça ou une information? L'animal national de l'Écosse est la licorne. Vrai, ce n'est pas une légende. Attends, faut que je regarde. Je crois que c'est juste une info, en fait. Je sais pas. On va aller sous. Qui me paye, s'il vous plaît? Tiens, vas-y, je vais payer, mais vas-y, fais-moi le mien aussi avec. Coucou Space. Ah oh, pardon. Ah ça va? Ça va. Ça va et toi? Oui, ça va. Tu veux qu'on aille faire un rendez-vous de crack? Vas-y. Super. Attends, je vais appeler Soledad, voir s'il y a des clients. T'es un meuf ou t'es un mec Space? Soledad, c'est tout ce que tu veux, moi, dit. En gros, c'est toi qui décides. Ok. Bah, avec moi, je veux que tu sois un mec. Tu veux que je sois un mec? Ouais, avec moi. Ok, bah, je suis un mec. Oui, Soledad. Ok. Oui, dis-moi. Y'a des clients? Va, plus trop, mais on attend. Ok, on arrive aussi, on va vendre. J'ai fait une de ces propagandes, c'était incroyable. C'est-à-dire? Vous voyez? Il faisait la queue devant moi. Ah oui? Pas le genre de petite queue, hein. Une grande queue devant moi. Une grande queue, bien grande. Ils étaient énormes. Ça, c'est pas plus grand que la mienne. Est-ce qu'on a besoin qu'on vous ramène un peu plus de crack ou ça va?
Bah si vous voulez, oui. Mais il faut des gens, quoi. Il faut des gens. On est... oui. Là, on arrive, on est trois. Ok. J'arrive, je ramène de la coque, c'est mieux. Comme ça, on fait partie de la coque d'abord. Oui, vas-y. Super. 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 Elle est toute seule, Soledad ? Non. T'es toute seule, Soledad ? Tu es toute seule ? Non. T'es avec qui ? C'était derrière Rico. Le quartier. Avec Rico ? On est en train de faire connaissance. C'est que le 10 d'accord. Avec toi, Javier ? Le 10 avec moi, c'est ouais. Rafi. Moi, c'est parce quoi, là, Javier, là ? Il y a des news, là ? Je suis pas au courant, là. Bah, je suis plus un Rokina. Ah ouais, ok. Je suis plus un Rokina et je suis parti en indépendant. D'accord. Et là, c'est ton Jizz avec toi. Oui. Et la fille au téléphone, pareil. Pareil, c'est ouais. Ma Jizz. Et même Rico okay. Qui est là-bas. Mais ne t'inquiète pas, il n'y a rien d'ambigu entre elle et moi. C'est juste une amie. T'inquiète, on peut faire un couple aussi. Mais je sais pas si elle sera d'accord. Oh, bah. Oh, t'imagines si elle est d'accord ? Faut gagner. On fera un casting de toute façon, on a dit. Hein. Plus, moi je testerai la marchandise, je testerai les madames. D'accord. Mais en plus elle a un gros cul. Vraiment. Tu vas kiffer. Pourquoi à chaque fois je passe par là ? Je vais vomir. Pourquoi ? Mais oui, à chaque fois je passe par là tout le temps et je me complique la chose. Ouais, là t'es coincé. Non. Non, regarde, il a son petit truc. Pareil. Incroyable. Tu dis les Herbado. Javier. Vous êtes amoureux ou quoi tous les deux là ? Pourquoi tu me donnes 10 ? J'ai déjà beaucoup sur moi, il nous faut juste des clients. Vraiment ? Ah. On en avait pris 50 et il m'en reste une trentaine. Mais je sais que la plata. Qu'est-ce que t'as encore ? Oh, tu me baises ma plata parce que j'ai fait une quicheta où je rapporte à chaque fois ma plata. Qu'est-ce que t'as ? Tu passerais après. T'inquiète, tu peux le garder, Javier. De toute façon, le moment où tu mets tout dans le coffre. Il a fait encore des bêtises, qu'est-ce que t'as fait ? Ça, c'est du bon temps, ça, Soledad. Qu'est-ce qui t'arrive ? Là. Bonsoir, vous allez bien ? Bah, très bien. Qui vous celle-là ? Ça va. Oh là là, il y a un requin ! Bonjour, ma petite dame. Ah. Je crois qu'elle voulait pas te dire le bonjour. Si. Ouais. C'est ma chica ? C'est quoi ça ? Qui ? Pourquoi il y a une carcasse de requin là ? C'est vrai ça. Tu veux m'acheter de la drogue, requin ? Oh, regarde, il change de couleur. C'est même pas drôle. Ah, il est en train de pourrir, tu veux dire, oui ? Oh, ça pue. Mais il y a plein de clients. Ah ! Allez, Vandar. C'est triste de voir une baleine en train de pourrir. C'est trop triste. On se croirait dans Nemo. Wesh, la salle. Aïe. Oh. Mais connasse. Pardon. Ça va pas la tête, là. Mais oh. Connard. Connard de tarare, de merde, connard. Calmez vos gueules, pétasse. Bon, à l'aise, toi. Oui, je suis grave à l'aise, tu vas rien faire. Va vous allez bien, monsieur. Allez, ça va, il te fait aboyer dessus, quelle horreur. Attendez, je vous mets un trait. Elle a dit que t'as aboyé. Non, je parle pas du tout. Mais il faut des bêtes de soirée, mais moi j'ai peur, moi, c'est pas chez moi là, je peux pas chanter. Non, mais elle faut lui faire des trucs de cul. Y'a rien qui va, y'a rien qui va. Vas-y, regarde, je suis en train de danser, t'aimes bien, toi, c'est ton délire. Mais oui, mais je peux pas. J'ai envie de faire un strike là. Mais par contre, la flic, masquez-vous, on va à la braquard, on m'a rentré dedans. Mais non, arrête. T'as de l'argent sur toi en plus. Va dormir, non, tu veux pas dire à Paolo de venir. Bah alors, on a tapé un mur. Non, on n'a pas tapé de mur. Hein, j'ai pas tapé de mur. Ça va d'heure de tissu en plus. C'est une illusion. Par contre, tu me rentres dedans, je te tire dessus. J'ai pas fait exprès. Comment ça tu préfères? C'est nous la police. Non, c'est nous la police. C'est moi les gangsters. Eh tiens, va là-bas. Viens ici. La vie de ma mère a essayé de nous taper. La vie de ma mère qu'elle a essayé. Je vais laisser On vous baise, bande de connards de merde, va m'avoir pété. Toi aussi, dans le 4x4, tu te baises. On baise ta mère, Mais il a un cocktail. Alors ? Et comment c'est un cocktail ? Bah, genre, ça brûle, genre. Et ça va, oulala. C'est pas vrai. J'ai rigolard.
Ça, on l'encule lui. Ah ouais, on l'encule lui. Ah bah, vas-y, on l'encule lui. Vas-y, venons descendre dans la voiture. Allez, comment vos grand-mères les reines des neiges. L'odeur. Je vous jure, je vous baisse vous. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah ouais? Ouais. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, attends. Juste, dis-moi juste ton blaze, t'as vu? Je m'appelle Javier, connard. Javier? Vas-y, vas-y, à plus tard. Vas-y, à plus tard. Connard. Oh merde. Merde. Non, non, va t'excuser. Ah ouais. Javier, non. Non, Javier, j'agis, Javier. J'agis comme j'agirais tous les jours. Personne ne me met des coups de pression à moi. Non, mais il aurait pas insulté lui. Un peu plus. C'est le seul vendeur d'armes qui nous reste, par pitié. Ok, c'est marrant, c'est rigolo, tu fais rigoler la galerie, mais là t'es en train de niquer. Donc va le voir, dis-lui, je parlais pas toi, je parlais des ouverts. Il est où? C'est que lui. Monsieur, reviens. Okay. Je l'appelle Gueule d'Ange, c'est bon, je l'appelle. Ah, c'était Gueule d'Ange? Je sais pas qui c'est. Je l'encule. Est-ce que quand on va... Ne fais pas attention à Javier, on parle des ouverts. Demande-lui où il est, okay. On va lui reparler. Dis-lui, il est où? Non, mais on parlait pas de toi, mais c'est le trou du cul qui était avec toi là. Il est où? Il est où? Tu casses les couilles toute la journée là. Il est où? Il est où? Et tu retournes t'es en où, plus. On arrive, t'es où? T'es où? Il est là. Je vais l'insulter, je vais l'insulter. À côté, voilà, on est là. Gueule d'Ange! Ça veut dire quoi ça? Vous parlez comment? Hermano, c'est pas toi, c'est j'encule l'autre à côté de toi, pas toi. Toi là. Mais sur la vie de ma mère. Je veux grave. C'est une blague, c'est une blague! Reste là! Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh non, remonte dans cette voiture. Remonte de la coachée. Ravir, on fait quoi là? Allez hop, il se fait braquer et on se casse. Ah, connard. Ah, pardon. Non, Ravir, normalement t'as des problèmes avec les Brésiliens. Non. Non, je savais. Je vous jure, Javier, il l'aurait fait. Ouais. Là, je vous jure. Non. Il n'aurait pas fait ça. Quoi? Je vous jure, il l'aurait fait. Le rendez-vous, il arrive. Non, il nous aurait fait peur, il aurait été jusqu'au bout, mais il l'aurait pas fait. Il t'empêche au niveau de la connerie. Non. Tu veux qu'on meure tous, Javier? Javier! Arrête. On pourra plus faire l'amour ce soir. Oh là là, on se gare. Voilà, rendez-vous. T'as vu mon gars à côté de moi? Ouais. Eh ben, Javier, j'ai fait ça. Il déteste les bikers, tu vois. Ils ont tué mon père. Voilà, ouais. Ils ont tué son père. Donc, quand ils voient les bikers, ils le tirent dessus. Ouais, on en a pété un. Okay. Et donc, il y en a un qui sont venus qui nous a dit non, c'était vraiment on a besoin de lui. Et quand ils ont vu ce qu'il avait sur lui, je le jure, il bandait comme des taureaux. Okay. Il s'est là, ah, mais putain, mais c'est le meilleur move et tout. Je comprends un peu. Et en plus, on aime bien. En fait, nous, on va rentrer dans un truc, c'est faire du crack spécial. T'as vu, il y a des ingrédients secrets. On veut vraiment se mettre à fond dedans. En gros, pour te donner un exemple, on est super actifs. T'as vu, on est arrivé, on a déjà 200 000. On veut tout là. On veut le monde. Je veux pas te mentir, gueule d'ange. Quoi ? J'ai capté. On va pas acheter tout. Au début, oui, mais on va pas acheter. En gros, nous voit pas comme des clients, je sais. Mais de toute façon, c'est pas le but, hein. Loin de là. Moi, j'ai très bien compris. Et il y a des sets, c'est le cas. Hein. D'ailleurs, tu vois, des sets, je me concentre plus avec eux sur la cam. Parce qu'eux, ils cherchent des missions. Là, j'ai très bien compris. Vous, c'était votre but. Je te jure qu'on a plein de missions. On a plein de quêtes secondaires. Je te jure, on s'ennuie pas. T'as vu mon gars à gauche là? Là, il est un peu calme. T'as vu? Tu calmes. Tu veux je crie là? Non, mais t'as compris. Non, tu veux que je le tire dessus pour te montrer? Non. Tu veux que je tire sur la meuf derrière? Regarde. En fait, non, arrête, ta mère la pute. Il m'a dit, je suis calme. En fait, je t'explique. Lui, il a des un mot réfé, un mot ouais, j'ai capté. T'as vu, moi je suis Ravier ouf. Moi, je suis Ravier rare. Et en fait, c'est ce que t'as vu, lui il... tout le monde le connaît parce qu'il est un peu fougueux. Yeah. Oh, bah, tu dois le connaître. Oh, je le connais. Je vais l'enculer, sa mère, la pute. Ravier, je vais te baiser. Ravier rare. Bon, on se voit demain, Gueule d'Ange, on doit aller niquer des gens. Vas-y, je fais ma part du contrat et... En tout cas, belle voiture. Oh, l'aide rouge, ça va se la donner, là. Je pèse de rien du tout, les gars. On y va. Allez, cousin, vas-y, va te faire enculer. Ouais, chantez-le.